Et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Servidition, Et l'équipe de Sardisition, c'est en partie! En partie, Merci. en partie. Nicolas Courcier, Nico, comment vas-tu Bonjour, monsieur le Bonjour à tous. Euh, bah, ça va très bien et toi-même hein Ça va bien. J'aurais pu commencer euh, sans bafouiller, mais bon, écoute. Hein... C'est le. Voilà, c'est le direct. C'est la vie. On va pas la refaire. Hein. On prend la première. Il y a le temps. Évidemment. Pas comme si on l'avait déjà refait dix fois. Non, on l'a refait mmh. que deux fois. Alors, on est en sueur. Je ne sais pas. On vient de monter onze cartons. Est-ce que quelque chose se trame Est-ce qu'on prépare peut-être la Japan Expo En effet, on sera à la Japan Expo du 14 au 17 juillet. Donc, si vous êtes parisien ou si vous faites le trajet, n'hésitez ben, pas à venir nous on aura Carrément. des belles nouveautés, des petites exclus, des surprises, je sais pas en tout cas, on sera là, des auteurs sera sur... là, des auteurs en dédicace ça va être cool. Ça va être plutôt stylé, donc voilà, on vous donne rendez-vous du 14 au 17 juillet à la Japan Expo, où on, va essayer de prononcer... <laughs> on va essayer de prononcer un peu mieux tout ça. Au sommaire, aujourd'hui on va assister à un combat, le combat des abonnements, alors dans le coin bleu, il y a le PlayStation Plus de Sony, et dans le coin vert, le Game Pass de Microsoft, Est ce qui manque pas une couleur il manque le coin rouge, mais le coin moi, rouge je ne veux ouais. pas être ce mec. Non mais voilà, on ne va pas tout comparer non plus, là il y a un vrai duel. Hein. Mais dans la seconde partie de l'émission, on va s'intéresser à un créateur hein, qui s'est déjà frotté à une grande licence du jeu vidéo, mais qui creuse aussi son sillon à lui depuis 2015, ce monsieur c'est Sam Barlow. Et avant la sortie de son nouveau jeu façon FMV, hein, Immortality, Nico tu vas nous présenter la carrière et la démarche de ce grand nom du jeu vidéo... Vous retrouverez bien entendu l'interview de top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur le Nintendo Direct Mini qui s'est déroulé la semaine dernière, ce mercredi, la semaine dernière, cette semaine même. Donc c'était ce mercredi. Alors on retient quoi de ce Nintendo Direct On va parler de Return of the Monkey Island, donc qui va sortir cette année, en 2022, une exclusivité Switch temporaire. Switch et PC en fait, euh, pour 2022, donc euh, pour les consoles traditionnelles, il mmh. faudra attendre un petit peu plus. Bah à coup de PC, je pense que c'était de toute façon le public le cible visé pour ce, ce projet-là donc rien de d'anormal euh, mais bon, c'était étonnant de voir une petite exclus switch en tout cas. Quoi. Il y a eu aussi Mario et les lapins crétins Sparks of Hope, donc il va sortir le 20 octobre, hein, on était au courant, on a enfin la date, un jeu qu'on attend pas mal. Moi perso, je l'attends beaucoup, j'ai un petit peu peur du côté un petit peu plus libre de la version tactique de Mario et les lapins crétins. Qu'est-ce que toi tu en penses Tu as envie tu l'attends Ouais, euh, je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire des phases d'exploration dans le premier épisode qui était un peu limité. Euh, c'était à dessin, mais c'était plus des sortes de de d'attraction, des des phases de transition entre les ouais. différents bastons. Ça me plairait bien qu'ils étoffent un petit peu plus là-dessus ce, cet aspect du jeu. Quoi. Une surprise, quelque chose qui est coutumier en fait de ces lives, c'est les démos shadow droppées, Donc live live, là le, le RPG, le remake du RPG qui n'est jamais sorti en Occident a une, une démo disponible tout de suite. Ça, c'est un jeu, moi, que j'attends particulièrement, qui va sortir euh, en juillet, je crois. Et voilà, là, la démo est dispo, ça, c'est trop bien. Ouais, trois époques jouables. On et... sait que c'est un peu le principe du jeu d'avoir euh, sept scénarios, je crois, avec sept héros différents, répartis dans le temps, dans l'espace et tout. Et c'est cool de faire une démo. J'espère que la sauvegarde sera reconductible dans la, le jeu final. Ça, c'est sûr, oui. C'est ce qui se fait maintenant, donc ça, c'est plutôt cool. En fait, ça permet de commencer le jeu un petit peu en avance, quoi. Une petite pique envers cette, euh, ce direct, ce live. Euh, J'ai pas beaucoup de jeux moi que je retiens. Néanmoins, la Switch là euh, nous montre que euh, le jeu vidéo cinq ans après, on a Nier Automata, on a Persona 5, on connaît euh, ce rythme de la Switch. Mais à chaque fois, moi je tique un peu, je me dis ah voilà y a un événement sur Switch, Nier Automata et Persona 5 qui sort. Bon, on se réjouit pour tous ces joueurs qui n'ont pas pu jouer avant à ces jeux. Mais bon, y a toujours un petit temps de décalage quoi. Oui, oui, 5 ben ans de retard, c'est vrai que, un peu comme le hardware, maintenant, il commence à accuser son vrai. âge, donc, finalement, est-ce qu'il n'a pas des projets qui soient plus adaptés à, sa, à ses capacités? On finit avec une note un petit peu positive, on va dire. C'est l'annonce de Lorelei and the Laser Eyes, donc un jeu Simogo, un studio que tu aimes particulièrement. Une exclu temporaire Switch et un jeu qui va sortir pour 2023. C'est quoi ce jeu Eh ben, c'est pour moi le jeu qui m'a fait le plus kiffer pendant la présentation. Donc Simogo, c'est les mecs qui ont fait euh, Sayonara Wild Hearts ou euh, Year Walk, qui sont Year Walk. On, qui est très très bien. Donc c'est des spécialistes hein, du jeu mobile et tout, et à euh, chaque fois ils vont un peu lorgner sur des genres différents. Euh, là, je sais pas, c'est une ambiance presque un peu Survival horror, Il y a des délires un peu Killer 7, je trouve, dans l'aspect graphique. Très rétro On dans passera la. passerait dans des phases un peu ouais, rétro PlayStation 1. Donc, euh, très très intrigué et un euh, me tarde très... de, ouais, de découvrir ce que c'est. Ouais, très intriguant. C'est moi aussi mon coup de cœur. Voilà pour euh, ce Nintendo Direct Mini. Est-ce qu'on a d'autres choses à, à, à retenir euh, Je sais pas. Ouais, juste, j'espère qu'ils vont pas nous pondre Nintendo euh, Direct First Party dans une semaine parce que. On aurait eu trois événements euh, regroupés. Enfin, pourquoi pas faire un gros Nintendo Direct qui regroupe tout. J'ai du mal à comprendre ce euh, fractionnement. Euh. Mm. Donc là, oui, si c'est parce qu'ils avaient rien à montrer eux et que leur Nintendo Direct traditionnel sera à la rentrée, là, je comprends. Après, voilà, la fin d'année est déjà un peu toute faite pour Nintendo avec un jeu euh, par mois. Ouais, mais ça reste un peu l'Edge. Hein. Enfin bon, il y aura évidemment un Pokémon qui va cartonner. Splatoon 3. Splatoon 3 et tout. Mais moi, je sais que perso, là, cette fin d'année sur Switch, j'ai pas grand chose qui m'excite. Me, Où est oui, Bayonetta 3 ah hein. Il serait temps quand même de l'annoncer, en tout cas la date, euh, si c'est toujours pour 2022. Date encore euh, actuelle. Euh, enfin, on table quoi. sur janvier ici. On a fait un des petits paris. Hein. Damien est sur début décembre, mais bon, <laughs> on verra bien. Si t'es ok, si t'es prêt, on rentre ben voilà dans la première chronique dans je ce suis duel. Prête. Ok, okay t'as ton gant de box euh, bleu euh, ouvert. Alors avant de commencer le battle, un petit mot sur le positionnement stratégique du PlayStation Plus. Alors cette nouvelle mouture du PlayStation Plus, c'est en réalité l'unification des services du PS Plus et du PS Now, euh, le tout rassemblé sous une même appellation connue, le PlayStation Plus. Alors un petit mot sur ce, cette appellation. Sony, moi je trouve qu'ils sont plutôt malins. Alors malins ou en tout cas euh, ils prennent pas de risque avec les noms. PlayStation Plus, bah, c'était le nom précédent du service. C'est ce qui a à la mode avec Apple, Plus, Disney. Plus. Voilà, pour les consoles non plus, ils vont pas chercher bien loin. PS1, 2, 3, 4, 5. Néanmoins, qu'est-ce que tu en penses Ça fonctionne. C'est efficace, ouais. Des fois, il faudra se prendre la tête. Hein. Ce qui marche le mieux, mais ça peut être le plus simple. Et. Bah, là, je pense que sont allés au plus simple, mais au plus efficace. Alors, cette fusion des services fait passer Sony numéro 1, euh, donc dans les abonnements, avec plus de 50 millions d'abonnés, ce qui est deux fois plus que le Game Pass, mais attention, hein, c'est 25 millions de Game Pass seuls, donc sans le Gold et sans le Live. Petite, euh, petit move hein, stratégique euh, qui se joue uniquement sur l'appellation. C'est malin. Bah, Microsoft il viendra peut-être prochainement, en tout cas, sur cette euh, fusion. à bah, coup sûr, oui. <coughs> Alors pour ce qui est de l'unification des services, pas de Crunchyroll, alors je pense que qu'il s'en garde sûrement un petit peu sous le pied, il garde des cartouches pour l'avenir, est-ce que toi néanmoins t'es déçu, on sait que Crunchyroll est maintenant une ben voilà, propriété de Sony, ça aurait été intéressant pour le premium peut-être, on va revenir en détail sur tous les échelons d'abonnement. Ben voilà, pas de Crunchyroll. Alors, sans oui. vouloir euh, te piquer déjà ta conclusion je pense que l'apport de Crunchyroll en lancement, si ça arrive un jour, aurait permis un lancement un peu plus spectaculaire que ce qu'il ce qu n'est actuellement. Quoi. Oh là là, tu me piques ma conclusion Non, pas du tout, c'est juste le point suivant. Alors, un petit dernier mot sur la stratégie de Sony. On peut noter un lancement... Un très discret, je trouve, ce qui est assez rare hein, pour Sony, le plan marketing, en tout cas en France, a été assez timide et même sur l'écran d'accueil, hein, quand vous êtes euh, voilà sur votre PlayStation 4 ou 5, ben, l'écran d'accueil, ben, ça explose pas, il y a pas ouais le PlayStation Plus et live, c'est plutôt Timoré, euh, ça n'a pas été fait en grande pompe, en tout cas, de l'appréciation de joueurs, et, comme nous on l'a pu l'observer. Ouais, et c'est peut-être aussi l'inconvénient de reprendre le même nom, en fait, que le service existant, c'est que quand tu allumes ta console, tu vois les mêmes icônes, les mêmes noms qui apparaissent. Si t'es pas un minimum informé, que tu te tiens pas au courant de l'actu, pour toi, rien n'a changé, en fait. Et c'est vrai que, sans dire que ça sort dans l'indifférence générale, j'ai l'impression qu'on était plus hypé il y a un mois quand on attendait un peu les oui. dates de lancement et tout, que finalement lors du lancement en tant que tel, quoi. En plus, sur PlayStation 5, maintenant vraiment tout est seamless, donc tout est sans transition, tu vas sur ta petite tuile PlayStation Plus, il y a aucun chargement, appuies sur bas, tout, te, tout défile, donc t'as même pas, ils auraient même pas pu profiter d'un temps de chargement pour justement faire ça, tu sais, un peu explosif mmh. en faisant boum, balaboum, ben là, rien du tout. Voilà, on va pas se plaindre, de hein, de pas avoir de temps de chargement, mais, voilà, lancement plutôt timide. C'est un soft launch, je pense, parce qu'ils ont comme volonté, j'ai l'impression, d'alimenter leur les service. Ils ouais. ont déjà soft launché, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le PlayStation Plus en trois temps, en fonction des continents, donc euh, tranquille, easy, molte bueno. Déjà, quoi. le PS Now était plus ou moins soft launch aussi à l'époque, donc hey, tranquille, ouais. on va pas se presser là. Euh, on va faire une petite présentation globale, alors j'ai tenté de simplifier. Le PlayStation Plus, c'est trois niveaux d'abonnement. Il y a le niveau essentiel, donc ça c'est l'ancien PlayStation Plus, c'est le jeu en ligne, trois jeux offerts tous les mois, et tu peux sauvegarder dans le cloud. Ça, le essentiel. Tu as l'extra, c'est les jeux PS4 et PS5, et tu as le premium, ça c'est le rétro, où tu as en plus les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP, et tu as des versions d'essai. Alors tout ici est assez transparent, mais il y a une chose qui intrigue, c'est ces versions d'essai. En fait, il y a 15 jeux au lancement du PlayStation Plus pour le premium, où en fait tu peux tester. Tu peux jouer au jeu plusieurs heures, tu vas conserver euh, ta sauvegarde, bien évidemment, les trophées, et en fait, tu vas pouvoir voir si le jeu te plaît avant de les payer. Alors, par exemple, sur Horizon 2 et Cyberpunk, tu peux jouer 5 heures, c'est quand même pas négligeable. Ah, c'est gigantesque. La, sur la majorité des jeux, tu peux jouer 2 heures, et il y a des petites euh, exceptions. Par exemple, Holy Holy World, tu peux, ne jou tu peux jouer qu'une seule heure. Ces versions d'essai, c'est quand même, je trouve, assez attrayant. Tu peux, en 5 heures, en tout cas, Horizon 2, moi, je pensais qu'ils allaient faire que sur les first parties. Mm -hmm. Tu vois, ils, ils assument, c'est leur business. Ils font 5 heures sur les first parties, mais tu as aussi euh, Cyberpunk. c'est Peut-être un deal où ils ont dit euh, Vous vous en rappelez là ce que vous nous avez fait là Bon, maintenant c'est 5 heures sur Cyberpunk. Cyberpunk avait proposé 5 heures d'essai gratuit des gens en amont hors oui. de tout euh, contrat avec euh, des plateformes. Là, ils sont dans leur démarche de rédemption et voilà. Testez notre jeu maintenant qu'il a été retapé, vous allez voir, c'est cool. quoi. Et c'est vrai que pour Horizon et Cyberpunk, on n'est pas loin du quart du jeu. Hein, si on fait le jeu en ligne droite, euh... c'est plutôt moi. Grave. Je trouve que c'est très convaincant. Tu peux ah, vraiment ouais. te faire une idée concrète du jeu avant de pouvoir par la suite payé, on y reviendra sur ce détail. Sur les jeux offerts, donc le PlayStation Plus, euh, c'est trois jeux offerts euh, pour tous les niveaux. Les jeux sur PlayStation Plus, je trouve, sont plutôt pas mal, alors que sur le Game Pass, les jeux, euh, donc c'est les jeux qui sont offerts sur le Gold, donc qui correspond ouais, à l'Ultimate, ces jeux, je trouve qu'ils sont souvent pas ouf sur, cette, sur ce duel, en fait, des jeux gratos. Par exemple, euh, précédemment, ou actuellement, euh, sur PlayStation Plus, c'est God of War, le, le remake. Là, il qui arrive, c'est Crash Bandicoot 4. Les jeux du Gold moi, perso, souvent, je ne les connais même pas, quand ils sont offerts. Donc là, petit avantage sur, le, sur, sur ça. Sur les mises à jour, justement, sur ces euh, jeux offerts, et même sur les nouveaux entrants, euh, sur PlayStation Plus, ils ont annoncé une mise à jour tous les 15 jours. J'ai vraiment un chat, aujourd'hui, dans la gorge. C'est le tien, regarde, le dernier, on l'a dit hein. <laughs> Donc c'est le premier mardi euh, du mois pour les trois jeux gratuits et vers le 15 du mois tu as les nouvelles entrées pour le PlayStation Plus euh, extra et premium. Donc on a de l'actu en continu. Tous les 15 jours vous allez entendre parler du PlayStation Plus. Euh, bah, c'est un move qui est assez classique et qui est aussi le cas pour le Game Pass en tout cas. Oui oui c'est le nerf de la guerre de maintenir ta place, ta communication, d'être là présent régulièrement et on voit qu'ils s'aménagent pareil leur temps de parole pour que... C'est cette petite excitation deux fois par mois de qu'est-ce qui va arriver dans ce service le Game Pass en deux mots, alors vous connaissez, c'est en gros, en gros, deux versions. Tu as le Game Pass et le Game Pass Ultimate. Alors, la Killer Features, hein, la fonctionnalité euh, de la mort, c'est les jeux First Party Day One. Alors, en mode Ultimate, euh, tu as alors, le Gold, tu as des jeux cadeaux, tu as le Light, tu as le E-Play, tu as les jeux Ubi. Alors, les jeux Ubi, ils sont aussi sur le PlayStation Plus, mais c'est pas la même désignation, c'est les Ubi Classics sur PlayStation Plus. Et par exemple, tu as le dernier Assassin's Creed Valhalla là où dans le Game Pass, euh, c'est plutôt Odyssey qui est arrivé euh, très récemment. Il y a une petite différenciation. J'ai l'impression que sur le Game Pass, c'est plus du cas par cas en fait, qu'il n'y a pas vraiment d'accord à la EA Play. C'est le Ubisoft Plus. Ouais. A... Sur le Game Pass ouais, aussi sur le Game Pass. Là, c'est Ubisoft Classics. On va y revenir. C'est un peu le bordel. Euh, je crois qu'il va falloir. Donc, ça, c'est pour la présentation très rapide. Maintenant, on va rentrer dans le détail et dans chaque round, le premier round, c'est le nombre de jeux et la diversité de l'offre. Pour le PlayStation Plus, on a un panel de plus de 700 jeux. Sur le Game Pass, on a un panel de 300 jeux environ. Alors, pour regarder tout ça, on va remonter dans le temps hein, pour revenir petit à petit à nos jours. On va commencer évidemment avec le rétro. Alors, l'offre rétro du PlayStation Plus, bah, c'est pas une grande offre, hein. mais ça se comprend. Les éditeurs des jeux absents veulent exploiter eux-mêmes leur licence. Bah, ce, qui ce qui explique la déception des joueurs face à ce catalogue rétro, c'est que les jeux qui ont fait la légende à l'époque de la PlayStation 1, bah, n'étaient pas des jeux first party. Euh, les jeux qui ont marqué les joueurs, bah, c'était pas des studios Sony. Bah, les studios Sony, il y en avait pas, ou il y en avait peu. Resident Evil, FF7, Tomb Raider, Tekken, Ridge Racer, Silent Hill, etc., etc. Tous ces jeux, bah, c'est des jeux d'éditeurs tiers, et donc bah, c'est pas évident pour Sony de négocier les droits aujourd'hui car, bah, comme, on vient de le, comme on vient de le voir, les ayants droit, bah, ils préfèrent sûrement garder l'exploitation de ces jeux, bah, des jeux de légende, pour leur plateforme à eux, pour leur remaster à eux, ou pour leur remake à eux. Et les négo, pour un service en ligne, bah, sont sensiblement différentes que pour la PlayStation Mini, par exemple, là où l'accord était donné pour une action commerciale précise sur un nombre de consoles données, et c'était tout. Là, le PlayStation Plus, bah, c'est pas vraiment la même. Et que ça soit le Game Pass ou même le PlayStation Plus, bah, les accords avec les éditeurs et les studios, bah, sont encore confidentiel. Ça un jour, hein, mais c'est un petit peu tôt. Ce qu'on sait, c'est que c'est presque du cas par cas, on va dire. Un petit mot sur le rétro euh, pour le PlayStation Plus, c'est uniquement le contenu de l'offre premium. Euh, donc, avec des jeux euh, PlayStation 1 qui ont des fonctionnalités en plus, euh, par exemple euh, le rewind, mmh. donc tu peux revenir en arrière, euh, tu t as des filtres graphiques en plus, tu as un panel de résolutions différentes, tu as des trophées euh, qui n'existaient pas évidemment à l'époque. C'est pas ouf, mais on va dire euh, que c'est mieux que rien. C'est que PS 1 du coup, genre le Rewind, P... tu l'as pas sur les jeux PS2 C'est euh... que PS 1 ouais. Euh, bon alors, ce qu'on aimerait en revanche, je pense que c'est l'arrivée, alors petit à petit, s'ils veulent, hein, pas d'un coup, on est ok, c'est qu'au moins tous les jeux Sony, alors pas les tiers, au moins les jeux Sony, qui arrivent euh, au moins sur l'offre. Sur mm. que euh, Je pense que ça, c'est un petit peu le minimum, et, et ils vont l'agrémenter euh, petit à petit euh, au compte goutte C'est vrai, oui, comme tu l'as dit, hein, sur, fin, plus on va aller vers les générations de consoles suivantes... Plus il y aura du contenu Sony first party à fournir. Quoi. Exactement. Vous allez voir petit à petit l'entrée dans le game de Sony. On passe à la PlayStation 3. Alors, chose assez étonnante, le catalogue est moins fourni que sur le feu PlayStation Now. Alors, le fait de retirer les jeux, c'est pas très classe, mais c'est, je pense, euh, assez compréhensible pour le regarnir par la suite. Mmh. <laughs> c'est que là, ils ont vidé le PlayStation Now des jeux PS3. Et petit à petit, vous allez le voir, hein, mois par mois, on va, on va revoir venir des jeux sur lesquels on a pu jouer il y a trois semaines mais bon là on est cloud only du coup sur PS3 c'est bien ça que du streaming quoi pour le PS3 ouais. on va passer à la PlayStation 4 euh, alors là t'as les jeux Sony là on a du lourd t'as les Spider-Man t'as des tiers de tu as Red Dead 2 qui va être disponible attention pour 4 mois à l'époque même du Game Pass quand Red Dead 2 était là c'était pour un temps assez ramassé euh, as du Bloodborne par exemple si vous avez la PlayStation 5 vous avez accès gratuitement au PlayStation Plus Collection donc c'est 20 jeux qui ont fait l'histoire de la PS4 c'est complètement une dinguerie. Là, c'est 20 jeux de ouf. Hein. Vous avez de quoi tenir une génération quasiment en jouant à ces 20 jeux. Pour le PlayStation 4, on commence à rentrer dans un, ca un catalogue solide. Oui, après, c'est vrai que la feature dont tu parles, c'est que ça existe depuis le début de la PS5, si je pas de bêtises. Et C'est un incontournable. Vraiment, si vous découvrez la, la ludothèque de Sony, c'est assez ouf. Quoi. Voilà. Vous pouvez, euh, si vous avez des manquements sur PS4, là, <coughs> vous avez de quoi faire. On passe sur PS5. Là, vous avez euh, Returnal, Miles Morales, toutes les Director's Cut qui sont sorties Ghost euh, of Tsushima, Death Stranding. Euh, C'est cool, mais ils en gardent sous le pied. Par exemple, Ratchet Clank euh, Rift Part. Euh, mais on va y revenir plus tard dans la chronique. Oh, il est assez récent encore. Hein. C'est vrai que. Ils en gardent. Sony va proposer ces jeux avec un rythme précis. On y revient tout à l'heure. Voilà pour euh, toutes les consoles de la PS1 à la PS5. Niveau 1D. Le PlayStation Plus, je pense qu'il doit faire ses preuves là où le Game Pass, il est déjà au top. C'est-à-dire que vraiment, moi, je doute à chaque fois que j'achète un jeu, un, entre guillemets, indé, je me dis, quand c'est qu'il va tomber sur le, le, le Game Pass s'il n'est pas déjà Day One. Néanmoins, par exemple, Stray, un jeu qu'on attend, français, le jeu avec le chat, euh, va arriver Day One, lui, le 19 juillet, pour les contenus, attention, du PlayStation Plus extra et premium, mm. pas, le, pas le premier essentiel. Donc voilà. Sony doit faire ses preuves sur les indés, là où Game Pass est déjà solide. Oui, c'est marrant parce que je crois que c'était Génération PS4 où Sony était un peu le, le héros des indés en fait. Et, <laughs> et on voit qu'ils se, ouais, se tire la bourre hein, les uns après les autres. Nintendo et la Switch hein, sont devenus un peu prépondérant là-dessus. Donc euh, ils jouent un peu chacun leur, leur tour, Bad Cop, Good Cop. Hein. C'est ça. Et pour ce qui est des jeux plus contemporains, les deux services vont avoir euh, des accords cool hein, avec des éditeurs tiers, je pense. Un exemple, Les Gardiens de la Galaxie, dispo sur le Game Pass et sur PlayStation Plus. Je pense que ça va arriver. Game Pass, là par exemple, on sait que The Plectel Requiem est sur le Game Pass Day One. Peut-être y aura-t-il une annonce chez Sony. En tout cas, voilà. Je pense qu'ils vont développer comme ça pour les tiers sur des jeux conséquents. Oui, après, je pense qu'il y aura un fond de catalogue. Je dis ça pas de manière péjorative, mais beaucoup de jeux en commun entre les deux services, hein, vu que c'est un peu la même offre. Quand les gens vont négocier, ben, ils vont aller voir l'autre pour dire ben, on fait la même chose. Voilà, hormis les, les, les négociations pointues sur certains types de jeux ouais. particuliers, je pense qu'on aura grosso modo un fonds de catalogue assez identique. Donc. Exactement. Capcom sera, à mon sens, un bon client là-dessus. <laughs> <laughs> Toujours bon client. Premier round, ah, j'aurais dû apporter une petite cloche. Voilà, oui, chacun oui, dans son oui. coin. Pour ce qui est du nombre de jeux et la diversité de l'offre, tu donnes en tant que jury euh, ton point à qui Qui a gagné ce round, après toi ouais, ah, J'aurais je... du, du mal à dire juste, il euh, y a plus de jeux sur l'un, donc c'est mieux que l'autre où il y en a moins. Tu peux donner à égalité en hein, box tu Bah peux, écoute, hein... là je donnerai une petite égalité parce que comme tu l'as dit, les indés sur Xbox c'est vraiment euh, cool, ça apporte une vraie plus-value et Sony est en train de se constituer son catalogue aussi rétro donc euh, petite égalité. Hein. Petite égalité sur le round numéro 1, on passe au round numéro 2, on va passer à la clarté de l'offre, à l'interface, on va parler ici de lisibilité. Alors on commence par l'offre, le PlayStation Plus c'est un petit peu le bordel car il y a trois niveaux. En vrai, il y a aussi le niveau d'abonnement de luxe, mais ça c'est pas pour nous, hein, c'est pour les marchés qui ne proposent pas le streaming dans le cloud. Donc Deluxe, oubliez ça. C'était juste pour la petite info pour dire que bah, c'est pas si évident. Le Game Pass, la même, c'est pas très évident. Il y a le Game Pass console, le Game Pass PC, le X-Cloud, le Game Pass Ultimate, l'offre Play le Live Gold, l'offre Ubisoft Plus. Voilà. Est-ce que Nico, d'après toi, ça mériterait un petit peu de clarté tout ça ouais, unifier tout, de toute façon. Enfin, arrêtez de faire les cons. Hein. <laughs> Ah, mais même Xbox où t'as deux services qui ont sensiblement les mêmes choses, qui est juste un petit peu moins cher à 3 euros près. On verra sur le prix que finalement il y a que deux offres. Ouais, euh, unifiez-moi tout ça là, hein, ça sera plus simple. Donc, ça c'est pour les offres, mais. Qu'est-ce qu'il en est de l'interface Est-ce que c'est aussi brouillon hein Vous avez compris que là, j'ai rassemblé la lisibilité, que ce soit l'offre ou même l'interface, pour voir un petit peu s'il y a une, un fil conducteur à tout ça. Alors que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus, bah, je ne trouve pas ça très très bien classé, mais à l'heure des charges, je trouve que c'est dur de ranger, de ranger autant de jeux, de bien mettre en avant les jeux. Le choix le plus évident est celui qui est fait par les deux services, c'est une segmentation par genre. Mais franchement, je trouve que c'est carrément chaud. Classer les jeux par genre aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Nico, qu'est-ce que t'en penses Classer les jeux modernes par genre, c'est impossible. Le genre, c'est un héritage qui date de la Playhistoire. Hommage à Flo. C'est quoi cette histoire de genre C'est vieux comme l'onde. Jamais dans ma vie, je me dis « Tiens, je me ferais bien un petit jeu d'action 3D, euh, machin. » euh. oh, Mais au-delà de ça, comment tu classes Comment tu classes des jeux aujourd'hui qui sont des, des amalgames de RPG, d'action-aventure de... Oui, bon, c'est que c'est des terminologies désuètes maintenant et que les jeux ont tendance justement à cumuler tous les genres un petit peu. Donc oui, ça n'a pas trop trop d'intérêt. Là, bon, là ouais. où je les comprends un petit peu, c'est que c'est très très difficile quand même de classer 700 ou 300 jeux. Hormis ces genres-là, alors à mon sens, je crois, enfin, j'ai l'impression qu'il y a même eu un manque d'éditorialisation. C'est très très dur à dire, l'éditorialisation. Alors pour le moment, c'est une présentation des jeux par genre ou par catégorie d'abonnement, ce qui est pas plus clair. Hein. T'as la section jeux dans le cloud, t'as la section rétro. Mais attention, dans la section rétro, c'est pas que les jeux PS1 et PS2. tu as aussi les remasters PS3. Donc euh, c'est un peu le bordel. À mon sens, il manque vraiment des sections qui sont thématiques, des sélections d'invités, ou encore plus simple, je sais pas, par créateur, par studio. Ça, pour le moment, il n'y a pas. La chose étrange, c'est que cette éditorialisation, elle est très présente sur PlayStation Store, eh ben, là où tu payes. Il hein. <laughs> y a toujours des sélections saisonnières. Tu as Halloween, Noël, les jeux de l'été. Tu as des sélections thématiques. Tu as le Japon, les Indés, les jeux sur l'amour pour la Saint-Valentin. Je pense que ça va donc arriver sous peu. En tout cas, je l'espère. Il serait intéressant, à mon sens, de proposer vraiment de l'éditorialisation qui est poussée. Perso, j'adorais, je sais pas, une, une sélection réalisée par Kojima. Herman Hulst, le boss des Sony Studios, qui voilà, tu as, as, as sa tête sur la tuile et euh, c'est Herman Hulst qui va te dire Ben bah, voilà, sur PlayStation Plus, je vous conseille ça, ça, ça. Marc Cerny, tu vois, des grandes têtes pensantes de chez Sony, bah, évidemment, des gens in-house, mmh. après des invités. Nico, t'en penses quoi La sélection CERD sur le PlayStation Plus, ça serait pas rigolo Ah, je signe demain, là. toi, tu vas vouloir mettre Eternal partout Tous les jeux, que... Marc, moi je te mets. L'édito, tu l'as dit, sur PlayStation Store, on sait que c'est des c'est de la pub en fait les gens payent pour faire participer là dessus donc on voit que ça motive plus les gens quand il y a un petit chèque à la clé mais oui alors c'est sur l'appli Canal je crois où justement les acteurs ou quoi qui sont un peu connotés à euh, l'esprit Canal ils ont justement Exactement. leur sélection qu'est-ce que je te conseille à regarder sur le service Jonathan Cohen par exemple qui ouais. a sorti euh, La Flamme ben là il va te dire bah ben, moi je vous conseille sur Canal ça 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 mais je trouve ça très cool. Après, euh, sur les créateurs de jeux, ça c'est plus, je pense, un truc euh, à nous, tu vois. Ça parlerait pas au grand public. faudrait plus, comme ouais, tu dis a... euh, la Saint-Valentin, par exemple, typiquement, oui, euh, les jeux de l'amour, ça, ça cartonnerait de ouf. Quoi. Et si ça nous parle à nous, peut-être qu'une partie du public serait intéressée. Après, il faut trouver quelque chose d'autre pour euh, bah, le grand public, etc. Multiplier euh, hum. ce versant édito, parce que éditorialiser, c'est très important pour faire vivre le fond. Alors, le fond, hein, c'est pas ce qui est au fond et qui est nul. Le fond, c'est le catalogue, en fait. Et remettre en avant des jeux méconnus, bah, des jeux qui vont sortir du catalogue. Aussi pour les contrats à Sony. Bah tout ça, c'est important. Hein, il faut faire vivre tout ça et la sélection, l'édito, c'est bien pour ça. Alors, je vais débuter ma métaphore filée hein, sur le cinéma qui va durer toute la chronique. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait quand même un petit truc sur. Euh... Je m'inquiétais d'ailleurs. Bah, dans le cinéma, il y a deux plateformes de SVOD françaises, oui monsieur, qui s'appellent TCM Cinéma et Shadows. Donc, euh, la première, TCM Cinéma, c'est euh, spécialisé dans le patrimoine. Et Shadows, c'est sur. Euh, Shadow, pardon. Pourquoi je mets un S Parce que Shadow, c'est euh, dans le cloud de l'EPC. C'est mmh. français aussi. Et et donc, eux, c'est spécialisé dans le genre, l'horreur, tout ça. Et eux, vraiment, ils ont beaucoup, beaucoup de thématiques, de réalisateurs. Ils vont faire des, des, des sélections d'invités. Euh, tu as un invité qui va arriver, un influenceur ou quelqu'un qui va dire Ben voilà, moi, sur TCM Cinéma, je vous conseille ça. Sur Shadow, je vous conseille ça. Franchement, moi, je, trouve, je trouverais ça très, très intéressant. Peut-être pas pour tous les publics, mais mmh. moi, en tout cas, je serais très curieux. Ting, ting, ça sonne. La fin du round numéro 2 euh, qui s'intéressait à la clarté de l'offre. Tu donnes ton point à qui alors je ferai pas le, le, le mec qui met égalité à chaque fois à la fin. Je, je dessine un gagnant, je pense. Mais là, je fais match nul, mais dans le sens où nul, les deux ont des progrès à faire. Quoi. Oh, n'es pas obligé. Tu peux, il peut, tu peux lever les deux bras à la fin. Je sais pas moi, qu'est-ce que je vais lever comme bras. Peut-être que ça. On va s'intéresser troisième round. Euh, le prix de l'offre. Alors pour pas vous embrouiller, j'ai arrondi les prix. Sympa. Et j'ai viré les prix au trimestre, parce que Sympa. ça fait déjà beaucoup. Alors le PlayStation Plus, le premier, le PlayStation essentiel, c'est 9 euros par mois ou 60 euros par an, ce qui vous fait 48 euros d'économie si vous prenez un an d'un coup. L'extra, donc le deuxième, c'est 14 euros par mois ou 100 euros par an, ce qui vous fait une économie de 68 euros. Et le premium, c'est 17 euros par mois et 120 euros par an, et là vous avez une économie de 84 euros. On voit que Sony oriente vers l'un des deux, quand même. Quand tu as toujours une offre à tripartite, on va dire, euh, tu prends rarement celle du milieu, tu vas être incité à prendre la plus chère, c'est naturel, c'est comme ça, c'est la nature humaine. <laughs> oui, mais cette offre du milieu, on en reparlera, mais pour moi, elle est un peu banquelle. Mais... Donc, pour rappel, l'offre du milieu, l'extra, celle que tu désignes, c'est les jeux PS4 et PS5. Alors. Le Game Pass, c'est pas compliqué. Il faut retenir deux prix. Tu as le Game Pass PC ou console, c'est 10 euros par mois. Et tu as le Game Pass Ultimate à 13 euros par mois. Et là, tu as tout, tu as tout. La particularité du Game Pass au niveau du prix, c'est que Microsoft propose en fait une forme de promo différente de celle de Sony. Pour le Game Pass, c'est plus comme les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, Free, euh, Orange. On vous propose des prix très attractifs au début. Et ce n'est que plus tard hein, que le prix réel sera facturé. Alors, ici, 3 mois de Game Pass Ultimate, c'est 1€ euro par mois, ce qui veut dire gratuit. Hein, on est d'accord, ont... je pense que légalement, ils peuvent pas faire zéro. Mm. Donc, ils te font payer 1€. Euro. Donc, pour 3€, euros, tu as 3 mois de Ultimate. Et à partir du quatrième mois, là, tu vas payer 13€. Euros. Sony, c'est différent. C'est la promo au volume. Plus tu en prends, moins c'est cher. Ouais, c'est ça. Euh, c'est comme métro. Euh, le grossiste n'a pas le métro dans, sous la terre. Mm. Donc, euh, voilà, on appelle ça les, les, les promos au volume, quoi. Donc, euh, le résultat de ce round, là c'était assez euh, rapide. Est-ce qu'il y a un gagnant sur le prix, d'après toi Alors là, je dirais gagnant Xbox. Pourquoi Pour le côté clarté, c'est que l'un, tu as trois offres avec des prix qui varient énormément si tu prends au tarif mensuel au tarif annuel. Xbox, tu as deux prix le prix à 10 balles, le prix à 13 balles. Ça me paraît plus simple, plus compréhensible. Et même si ça reste du full price, hein, 13 balles, ça reste correct, je trouve, pour un abonnement mensuel. Carrément. Voilà un round de gagné pour euh, le coin vert. On va passer cette fois à, à quelque chose qui peut-être un peu plus intéressant, un peu moins factuel. C'est la philosophie de ces deux abonnements. Alors je parle bien de philosophie et non de ligne édito car j'ai du mal à voir euh, deux lignes éditoriales différentes euh, sur ces deux abonnements. Les deux offres sont, je pense, très comparables dans leur catalogue et dans leur système. Nico, euh, on a quand même vu beaucoup d'avis de dire mais c'est pas comparable. Arrêtez de les mettre en face. Perso, je, bah, c'est pas que je m'inscris en faux, mais je, je vois que enfin, je trouve que c'est ultra comparable. Enfin, c'est vraiment euh, je... bah, un accès euh, mensuel payant à un catalogue de jeux. Euh, ouais, je pense qu'on est quand même sur des trucs un peu proche proches. Certes, ils ont des différences Bien sûr. Euh, de, sur certains choix et certains points précis, mais et heureusement pour eux. Oui, oui, bien sûr, mais ça reste carrément des offres qui sont en concurrence. Quoi. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces deux plateformes, euh, que ce soit le PlayStation Plus ou le Game Pass, sont vraiment bah, super pour les joueurs. Hein, mmh. C'est extrêmement avantageux. Mais on peut se demander si c'est. Si ce ne sont pas des propositions qui sont dangereuses, et ça à plusieurs titres, dangereuses vis-à-vis des studios, qui peuvent accepter des deals peu avantageux seulement pour exister, car demain, essayer de percer sans se lancer sur une plateforme, ben ça sera risqué, dangereuse pour la diversité, est-ce qu'on va voir l'offre des jeux AAA diminuer en faveur de jeux plus enclins, à entrer dans le moule euh, des jeux plateformes, vite essayés, vite oubliés, dangereuse pour le marché entier, hein, qui va se voir muter pour entrer dans ce format de distribution dématérialisée Bon, ça, on y est déjà, il hein, y a plus de 50% des jeux, ça y est, le 50-50 mmh. physique des maths est déjà largement euh, dépassé. Alors moi, hormis euh, la dernière crainte, hein, donc euh, le des maths, tout ça, perso, j'y crois pas vraiment. Allez, mais on va voir hein, si ce sont des craintes euh, légitimes. Alors, le Game Pass. Lui, il propose des jeux first party, day one. Bah, c'est extrêmement avantageux, c'est même intestable. Hein, je pense que Il euh, y a 23 studios Microsoft, bientôt plus euh, après le rachat de, de Bizarre King. Voilà, tous ces jeux des 23 studios seront Day One sur le Game Pass. Comment tu veux tester ça Le PlayStation Plus, c'est un petit peu différent. Ils vont te faire... Euh, donc si tu as le, le premium, bah tu vas... En fait, essayer les jeux avec les versions d'essai, mais tu vas passer à la caisse après. C'est moins avantageux. Mais Sony nous promet une conservation des standards de qualité sur les jeux AAA. D'ailleurs, alors petite parenthèse avant de rentrer dans le détail, ben, Microsoft, concernant ces AAA, galère un petit peu. Il n'y a pas eu de sortie trop en 2022. Il y a eu beaucoup de retard. Des jeux qui ont un petit peu déçu, Halo Infinite, qui est une licence, c'est pas n'importe laquelle. Mm -hmm. Donc, est-ce que, voilà, pour l'instant, ça confirme ce que dit PlayStation En tout cas, ces deux philosophies sont radicalement différentes. Alors, déjà, c'est par la force des choses hein, que Sony fait ça. Euh, Sony n'a pas les reins pour adopter la stratégie de Microsoft. De là, bah, Sony va développer un discours sur le fait que c'est un choix philosophique. Alors, ils vont dire que c'est grâce à l'engagement des joueurs, l'engagement financier des joueurs, que la stabilité des jeux AAA sera conservée et que l'existence même de ces jeux à gros budget sera assurée. Alors, là, l'analogie avec le cinéma, je pense et j'espère qu'elle est intéressante, car le cinéma. A carrément, carrément de l'avance hein, sur le jeu vidéo dans ce format de distribution. Alors, première, première chose. Euh, pour ce qui est des plateformes de SVOD, euh, il y a, Alors, comme pour le PlayStation Plus et le Game Pass, il y a un flux continu d'offres. Et ce flux, en fait, bah, va minorer l'événement de la sortie. Alors que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, l'événement, il est clairement plus au centre de l'attention. Hein. Au cinéma, à ce jour, on se fiche même un petit peu du mercredi, un hein, jour de sortie des films. Les entrées sont plus si représentatives le mercredi, sauf quelques salles, à, par exemple le 9h des Halles, hein, qui est encore un, un baromètre, mais c'est un petit peu moins le cas. Le jeu vidéo, alors on a bien un jour de sortie, mais comme les jeux en fait tombent sur nos applications, ben, ça mineure un petit peu aussi le culte du jour de l'achat, le trajet vers la boutique, le souvenir d'être allé acheter un jeu. Et ce point très précis, c'est lié à notre sujet propre aux plateformes, ben, c'est la valeur des choses. La valeur des films et la valeur des jeux. Payer un abonnement, ben, c'est oublier la valeur réelle des jeux. Alors comme pour le cinéma, on trouve euh, une place de cinéma chère. Alors, on entend souvent le cinéma, c'est extrêmement cher, alors que concrètement, hein, on paye tous des places moins chères par abonnement ou par des réductions. C'est une, stat une statistique, hein, plus de 80% des places achetées sont des places au tarif réduit. Mais on trouve aussi que les jeux, ils sont extrêmement chers, euh, alors qu'il y a une réévaluation ré 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 des jeux PS5 qui ont pris 10 balles de plus, qui arrivent à 80 euros. Mais avant ça, les jeux, ben, ils ne ils sont pas montés depuis au moins 10 ans, euh, alors que le coût des, dévelop des développements, eux, ils ont carrément explosé. Et le truc, c'est que voir tomber ces jeux AAA dans nos Game Pass et PlayStation Plus, alors non pas gratuitement, mais sans frais supplémentaires, ben ça diminue l'appréciation de la valeur des jeux. <laughs> on se demande, on, on oublie un petit peu fatalement ce Halo Infinite qui a coûté des millions et que ces pauvres développeurs ont galéré à faire. Ben il arrive des ones, voilà. Je, je, on sait un petit peu moins à quoi ça à quoi ça. À quoi c'est dû À quoi Qu'est-ce que ça vaut quoi. Autre tendance, comme pour le cinéma, où les cinéphiles, en fait, ils ont peur d'un effondrement du marché, un marché dans lequel il y aurait que des films d'animation, que des Marvel. Dans le jeu vidéo, on peut avoir peur de voir la créativité un petit peu mourir en parallèle de la montée de la puissance des plateformes. Alors ça, perso, j'y crois pas du tout, car pour le cinéma, comme pour le cinéma, les plateformes sont devenues un petit peu le refuge des auteurs et des plus grands David Fincher, Martin Scorsese, Eugene Campion, Wes Anderson, Jean-Pierre Jeunet. Je pourrais dérouler. Comme ça, largement euh, des réalisateurs qui ont vu euh, des financements se débloquer sur les plateformes là où vraiment les majors l'ont refusé l'accès. Demain sur PlayStation Plus et le Game Pass, peut-être que ça sera Fumito Ueda, Kojima, Sam Barlow, tu vas nous en parler, qui se verront financer leurs nouveaux jeux grâce aux plateformes. On peut déjà noter, par exemple, hein, le dernier Swery, donc The Good Life, qui est tombé sur le Game Pass et qui a peut-être récupéré une partie du financement grâce à ça. Peut-être demain un Eldorado pour ces grands noms. Alors pour terminer hein, sur la philosophie et le parallèle avec le cinéma, la plateforme et Sony. j'ai l'impression que sur le PlayStation Plus, ben Sony échelonne un petit peu son offre en fonction des plateformes, comme le fait le cinéma français avec la chronologie des médias. Un jeu Sony sort d'abord au plein tarif, puis sur PC, puis sur PlayStation Plus. C'est une manière de faire intéressante je trouve car on perçoit bien la valeur des choses, on conserve nous en tant que joueurs un privilège à acheter un jeu de Day One et la sortie du jeu reste un petit peu sacralisée. La différence c'est que pour le cinéma, la chronologie des médias, bah, c'est une décision d'État hein, qui vise à la bonne santé du cinéma français, sauf que pour Sony, c'est le choix d'une entreprise pour sa bonne santé à elle. Alors en plus qu'on est d'accord hein, que ce choix il est, il, est, il, est pas fait, il est fait par la force des choses, ils n'ont pas le choix de faire autrement, s'ils avaient les REM peut-être feraient comme le Game Pass. Nico, hein, qu'est-ce que tu en penses de ce duel, de ce round sur la philosophie euh, bah Je pose un... question. Oui, mais c'est vrai que Sony, ce que tu viens de dire, on ne va pas reprocher à une entreprise de vouloir faire les choses pour sa santé financière. Ça me paraît logique. Après, le, c est, c est le débat intéressant sur justement, la, tu parlais de philosophie, de l'inédite, et on s'est rendu compte que là, Netflix, qui grossissait constamment, elle a, pour la première fois, a perdu beaucoup d'abonnés d'un coup. Et parmi les mesures qui ont été faites, bah, ils ont fermé beaucoup de leurs studios d'animation. Et ils ont dit que l'époque, justement, où c'était le chèque en blanc aux grands euh, cinéastes, c'était fini. Parce que du score 16 ou quoi, ça n'a ramené pas grand monde sur Netflix. C'était de l'image. C'était de l'image, oui. <laughs> et c'est ça qui est un peu pernicieux, je crois, avec ces plateformes. C'est qu'elles n'ont pas d'édito. Il n'y a pas un mec qui réfléchit une identité. C'est juste du business. Donc quand ça marche, quand il y a de la thune, bah, on aligne, on fait venir les mecs à la seconde où il n'y a plus de thunes, ben non, les grands créateurs vous barraient. Donc, ils ne les faisaient pas venir par plaisir, par cinéphilie, ou j'en sais rien, quel patrimoine, etc. C'était uniquement pour de la thune et pour de l'image. Et donc, c'est ça le problème, c'est que ces plateformes-là, aujourd'hui, en tant que joueur, je trouve ça super. Enfin, le, le Game Pass, comme on l'a dit, c'est une offre super avantageuse et tout. Le PlayStation Plus, tu peux, si es un peu slow gamer, tu peux jouer à des jeux mortels qui ont un an ou deux, ben, en as quantité à foison. Mais quand ces services deviendront, euh, dominant et qu'il n'y aura pas d'autres alternatives, bah c'est là où les choses vont se corser à mon avis. Je sais pas dans quel sens j'aurais du mal à imaginer là-dessus, mais j'ai ouais j'ai quand même une vraie crainte là-dessus. Là, là c'est intéressant, c'est que tu mets en lumière le fait que Netflix a déjà basculé, et c'est ce que je souligne aussi, c'est que en fait le cinéma et les plateformes ont de l'avance sur nous. Donc oui. moi, je, je pressens que le Game Pass et le PlayStation Plus vont comme ces plateformes de SVOD de, vont devenir le refuge des grands créateurs, et peut-être que dans un second temps, comme Netflix là, tu l'as démontré, bah, elle va refermer les robinets une fois que l'intérêt ne sera plus là. Ouais ouais ouais, et Netflix euh, moi Netflix, c'est le premier du genre dans ce dans ce classe. Disney Plus en croissance parce que Disney Plus est jeune comme service. Mais oui. le jour où ils arriveront à ce plafond de verre aussi, il bah, y aura des mesures drastiques qui vont être faites dans ce sens-là. Donc, on se rend compte que c'est quasiment inéluctable. Parce qu'on l'a dit, ce n'est pas une volonté euh, consciente d'avoir une, une éditorialisation, c'est que c'est dur à dire. C'est c'est chaud. C'est vraiment. Le but de ramener de l'abonnement, en fait, tout vêtement Et tous les moyens sont bons. Et quand justement, bah, les, les éditeurs, le rapport de force sera inversé et qu'ils seront tous en train d'implorer d'aide sur ces services parce que les joueurs auront fait que c'est devenu le, le système dominant, mm -hmm. bah là, euh, le, le curateur qui était curateur, bah, il pourra augmenter le prix d'entrée, en fait. Exactement. Et que ce soit pour l'éditeur ou que ce soit pour nous. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, j'ai cette petite crainte malgré tout, même si aujourd'hui, j'ai ce paradoxe qu'en tant que joueur, je trouve que c'est presque. Enfin, une sorte d'âge d'or, en fait, où on n'a jamais eu autant de jeux à disposition pour rien. Enfin, je trouve ça assez ouf, quoi. En exemple de plateforme de grands Américains, il y a Apple. Le Apple Plus dont peu d'abonnés euh, ont accès parce que bah, c'est un petit peu plus niche mais eux vraiment alors ils ont euh, aussi un portefeuille euh, assez illimité mais il y a beaucoup d'éditos il y a des, des thématiques il y a des invités et c'est l'une des rares plateformes à avoir un petit peu je pense une ligne directrice une ligne éditoriale mm. avec euh, un ton euh, dans, les dans les propositions qu'elles soient séries euh, ou cinématographiques c'est assez intéressant de voir que eux euh, ils vont dans ce sens là ouais mais Apple reste dans son côté premium en fait hein. même l'interface Leur, euh, leurs appareils sont très <laughs> chers mais T'as une qualité premium, quand on aime ou on n'aime pas, voilà, mais ouais. ce qui aime des objets bien finis, qui ont une facilité de navigation, etc. Et je pense que leur service est à l'image de, de ça, en fait. Donc, euh, qui n'est pas très cher pour le coup, euh, là-dessus, ça c'est vrai. Mais qui a, tu l'as dit, cette ligne d'éliteau avec quand même des trucs de qualité. On n'est pas dans Netflix qui aligne non, la ouais. quantité et c'est un peu faire le tri dans les poubelles, quoi. C'est même intéressant cette curation. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est par la force des choses ou pas, mais euh, voilà, le contenu Apple, Plus c'est euh, tout doux, quoi. C'est oui. que tu as un film, une série qui arrive, ils événement, événementialisent, J'essaye toujours de trouver des mots plus galères à dire, mais euh, voilà, ils font vraiment monter la sauce, ils te disent, voilà, ça, ça arrive la prochaine ah as bah. de la comédie ou du drama, tu vois, c'est un peu bien identifié. Oui. Donc je trouve ça cool. Mais encore une fois, Apple peut se le permettre parce qu'Apple fait des résultats financiers colossaux. Mais si un jour, ils se rendent compte que ce service-là, finalement, bah, leur coûte 700 millions de déficit par an, bah, peut-être qu'ils couperont le courant et puis basta. Quoi. Un autre round se termine. La philosophie, est-ce que tu donnes ton point à Microsoft ou à Sony là-dessus bah, là je vais être purement un consumer en mode pour moi la philosophie Microsoft me parle plus parce que les gros first party day one évidemment qu'en tant que joueur euh, c'est ce que je veux mais je me rends compte que c'est pas forcément raisonnable comme, comme euh, approche on arrive à la fin du combat on a l'arbitre au milieu on prend les poignées des deux combattants si tu me permets je commence je fais mon premier bilan tu me diras si tu abondes ou pas pour moi, les Toto, on s'en fiche car les deux services sont incontournables. Les, ces deux super services à des prix raisonnables pour ce qu'ils proposent et qui donnent accès à un panel de jeux incroyable. Si vous me permettez une phrase de vieux, hein, moi, on aurait rêvé ça sur Super NES, Dreamcast PS3. Nico, est-ce que tu imagines ça à l'époque Non mais, <laughs> non, mais au on aurait ça à 12 ans, nous, on, aurait, on serait morts de je sais pas on de, super, de, de on a, bonheur. On, aurait de... Ses, ouais. on serait la sec. Mais... Euh, les mais, scolaires et Mais compagnie. même les trucs où aujourd'hui, on pourrait tiquer, en fait « Ah ouais, quand même, Sony, c'est que des versions d'essai. » Imagine, je sais pas, sur Gamecube, t'as des versions d'essai. C'est un truc de ma boule. Ouais, mais là, on est même dans le paradoxe inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix, c'est tellement le buffet garni que... T'es là, ouais, je fais quoi je sais pas Là, ouais, ça ouais. fait euh, une petite semaine que je suis euh, sur cette chronique à, à, à vraiment poncer le PlayStation Plus et à faire des allers-retours avec le Game Pass pour essayer de voir un petit peu les différences. Ben, J'ai beaucoup picoré, je me suis lancé vraiment sur rien. Euh, J'ai eu une consommation de jeux vidéo assez... Euh, euh, alors, je ne vais pas dire complexe, n'importe quoi. Facile. Euh... Ouais, mais pas agréable. Mmh. J'ai pas vraiment euh, kiffé, tu vois, comme ça, picorer. Moi, j'aime bien m'immerger. Alors, que ce soit le PlayStation Plus ou le Game Pass, c'est deux services et c'est le mot incontournable pour moi. Si vous si vous suivez l'actu de près, c'est incontournable. Vous avez les plus gros jeux Microsoft au lancement et chez Sony, vous pouvez essayer les jeux avant de claquer 80 euros. Si vous suivez l'actu de loin, mais que vous êtes néanmoins un joueur chevronné, bah, c'est incontournable aussi car le nombre de jeux disponibles dans chaque catégorie il est énorme. Jamais, jamais vous ne pourrez euh, tout faire et je pense que quel que soit votre style de jeu préféré, bah, vous trouverez forcément euh, de quoi jouer. Et si vous êtes un joueur occasionnel, bah, incontournable aussi. Cette fois, je donne quand même l'avantage au Game Pass qui peut se passer d'une console à 400 ou 500 euros grâce au xCloud ou à l'application Smart TV. Voilà, pour moi, je lève les deux poignets, euh, même tu si... Ouais, euh, tu l'as dit, les deux services sont top, les deux services sont pensés pour faire plaisir aux joueurs, parce que justement, ils veulent convaincre, ils veulent euh, euh, évangéliser là-dessus. Sony, je trouve, euh, vient juste un peu de trouver sa formule, on voit qu'ils ont tâtonné, là ça y est, je pense que c'est un peu le point de départ maintenant de l'offre, et ça va être un peu le rouleau compresseur là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi, en tant que joueur qui ne joue pas trop au rétro gaming et qui aime bien faire les gros jeux en day one, je serais plus forcément attiré vers un profil Game Pass plutôt que Sony. Oui. Mais comme tu as dit, ouais, ça, c'est un match nul. Euh... Et néanmoins, tout le monde, en fonction de votre profil de joueur, tout le monde n'a pas les deux machines. Si tu as un joueur Sony et que tu as une console Sony, bah, c'est intestable, PlayStation Plus. Si tu as un, un joueur Microsoft et que tu n'as pas une console Sony, bah, le Game Pass est intestable. Enfin, je veux dire, ouais, on n'a pas tous deux machines. Et puis, ouais, même, ouais, ouais. si tu as le luxe d'avoir deux machines, si tu as la chance, bah, tu peux avoir, euh, claque-toi, deux abonnements, et il ne va pas payer tous tes jeux plein fer. Enfin, en tant oui. que joueur, alors, excusez-moi du terme, en tant que consommateur, c'est vis-à-vis du portefeuille, je pense, incontournable. C'est surtout intestable. pour des abonnements qui. Enfin, euh, tu parlais du prix de Sony à l'année, c'est à peine plus cher qu'un A, en fait. Quoi. Oui, oui, alors, Donc, euh... ce que tu veux que je te retrouve ça C'était très... 100, 100 boules, 120 boules, je crois. C'était les... 100 balles. Ah là là, eh ben, ça, c'est vraiment pratique d'avoir moult, moult fiches. Et si vous nous regardez en vidéo, vous savez que nous sommes en vidéo euh, sur YouTube, et là, je meuble et je trouve mon information. Euh, c'est 17 euros par mois le premium et 120 euros par an. Je fais 84 euros d'économie, mais voilà 120 euros. Un jeu et demi, quoi. C'est un jeu, c'est un jeu, et un jeu et demi. Après, voilà, je pense que peut-être ça mériterait une autre chronique un peu plus avant sur comment ça fonctionne. Le Game Pass, Microsoft mise sur le fait que sur l'abonnement comme tous vos abonnements hein, quel que soit le, su le sujet le, le business ben, en fait tu vas payer tous les mois tu t'en rends pas compte oui. alors que la plupart des joueurs paient enfin achètent entre 3 et 4 jeux par an et finalement euh, et ces trois et quatre jeux c'est pas dit que ça soit trois ou quatre jeux Microsoft donc finalement si par exemple tu vas prendre alors, je suis extrêmement cliché hein, si tu prends ton Call of Duty ton FIFA deux jeux et tiers heures ben, tu là t'as même pas de jeux Microsoft finalement ben, mieux vaut en tant que Microsoft ben, prendre un petit abonnement de 13 mois de 13 euros par mois. Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est le centre de la salle de sport. Une fois que tu as Exactement. ta carte bleue qui est rentrée, ben, bah, as toujours la flemme d'arrêter. Mais moi, j'irais même presque plus loin en disant que ces services, je trouve qu'ils sont sous-évalués volontairement. Et comme tu l'as dit, on a le risque de faire perdre sa valeur au jeu et en disant, mais pourquoi aujourd'hui j'achèterai un jeu 80 boules On en quand, compte. Euh, pour cette somme-là sur l'année, je peux jouer à 700 jeux différents? Mais là-dessus, je vais pas me plaindre parce que c'est certains qui vont aller vers des augmentations, les deux services. Bien sûr. Mais bon, enfin, si on arrive à un je ne sais pas, à 20, 30 boules chacun, oui. je pense que ça ne serait pas volé, bien, bien sûr. Si ça serait plus cher. C'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de balancer là euh, cette égalité, elle est en tant que joueur slash consommateur, bah, c'est intestable. Après, j'ai fait une, une rubrique philosophie, c'est vraiment pour vous dire que voilà, Sony, eux, ils ont, entre guillemets, ils, vous, ils nous disent, bah, les AAA, ce standard, on peut le conserver parce que derrière, on vend nos jeux. J'ai parlé de chronologie des médias sur cette analogie avec le ciné. Voilà, il faut quand même jamais oublier que Sony le fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ça peut être intéressant, même si c'est n'est pas la force des choses, que philosophiquement, ça peut ben voilà créer une certaine stabilité du marché mmh. au global. Et les jeux que nous, on aime, euh, ces grandes aventures euh, solo, triple A, ben, elles vont être aussi conservées grâce à ça. Peut-être que demain, on n'aura pas une majorité euh, de free-to-play, une majorité de jeux multi. C'est peut-être aussi grâce à ça. Est ouais. Vas-y, est-ce que... que. Je veux dire, c'est un, un peu effrayant parce que c'est un modèle qui ne tient qu'à un film dans le sens où Sony sont condamnés à vendre je sais pas quel est le chiffre exact mais au moins 10 millions de chacun de leurs jeux oui. tu vois et on a vu avec Days Gone justement qui aurait fait 6 8 millions de ventes mais qui a pas droit à de suite et que ça avait même un peu fait chier les devs et certains joueurs en fait c'est qu'ils sont condamnés à réussir et le jour, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le jour où le prochain Naughty Dog se plantera, ce que je ne souhaite pas, oui. là, ça risque de remettre en cause pas mal le système, quoi. Ouais. C'est peut-être intéressant que nous, en tant que joueurs, soyons conscients de ça. C'est que voilà, un jeu, c'est des dizaines, parfois des centaines de millions de dollars, et que quand il tombe sur ton Game Pass ou ton PlayStation Plus, par magie, ben, bah, c'est, il y a un trou quelque, il y a un manquement oui, quelque part. Quoi, il dire. rien n'est magique en fait. Hein. C'est que il euh, y, y a de l'argent qui a été consommé quelque part. Est-ce que t'es ok pour terminer cette chronique vite fait bah, des petits conseils euh, bah, si vous prenez le PlayStation Plus alors, en fonction des machines. Voilà sur voilà PlayStation 1, Ben bah, voilà il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous pouvez lancer euh, Siphon Filter. Mais je... moi j'avais une petite affection. Mais ah bah. En réalité, c'est chaud. Ça vieille de ouf. Ça vieillit de ouf. Ah, non, mais euh, si vous n'avez pas vraiment un levier nostalgique, euh, je pense que c'est très compliqué. Il y a Wild Arms, franchement, qui lui est... en reste celui dans le JRPG. Je si... pense qu'il s'en sort bien, parce qu'à déjà à l'époque, il n'était pas très joli pour son temps. Mais Mais là, franchement, c'est solide. Sur PS2, bah, je vous conseille Mark of Cree et sa suite. Euh, Mark of Cree, c'est un jeu qui est plutôt méconnu, hein, qui, pourra qui aurait pu tomber peut-être dans le top 3 de tout à l'heure. Il y a un lisse. Alors, les vidéos cinématiques hein, sont extrêmement compressées, mm. c'est pas jojo du tout. Mais derrière, il y a un lissage vraiment très correct. Le jeu Est plutôt joli et c'est un titre que je vous conseille vraiment pour son système de combat très innovant, très profond et vraiment très très sympa. Mark of Cree, voilà si vous n'avez pas d'idée. Bonne adresse. PS3, alors je tourne en rond et on avait, euh, nous on, on voulait le nouveau jeu euh, pure, euh, tu sais, le jeu de quad, c'est pas du tout un nouveau jeu, mais on voulait qu'il arrive sur PlayStation Plus, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a le premier jeu du studio Black Rock, studio. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et lui, le, le, le jeu Speed Second, qui est un jeu de voiture vraiment, moi je le trouve super, super sympa. Euh, donc je vous le conseille. Allez jeter un œil. Il se passe plein de trucs, il y a des explosions. Tu fais trois tours, les trois tours sont pas les mêmes. Ça pète de partout. Moi j'adore Speed Second, euh, Et en fait, du coup, j'ai pu essayer grâce à, à ça tout ce qui est streaming. C'est-à-dire que les jeux PlayStation 3 sont en streaming uniquement. J'ai pas, alors moi je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un grand, un grand techos, mais j'ai vu, euh, voilà, aucun lag. C'est vraiment, vraiment très, très solide. PlayStation 4, bah, je sais pas quoi vous dire, là, si vous avez manqué des jeux PS4 et que vous avez un backlog un petit peu en retard sur les jeux PS4, bah, grâce au PlayStation Plus, bah, ⁇ faites-vous, je ne sais pas, foire si vous l'avez raté avant le Ragnarok. Euh, moi, j'ai pu tester euh, grâce aux classiques euh, Ubisoft, bah, The Crew 2, J'avais avais pas joué, bah, je l'ai testé, j'ai trouvé ça très sympa. Le vernis Ubisoft, il hein, y a trois couches de vernis Ubisoft, c'est un petit peu euh, dérangeant. Un peu azur. Mais... Voilà, mais c'était très sympa, The Crew 2. Et enfin, PS5, bah, je vous conseille Returnal et Demon's Souls. Oh. Faites non mais... Pas, ah, pas de je, je suis choqué pas de lourdeur je tombe de ma chaise pas de pas de gainage je force pas mais Returnal et Demon's Souls tout simplement vous bah, faire cracher votre PS5 enfin là voilà vous avez dans le Putain, tu t'en sors bien bien hein. bien joué bien vu <laughs> quel escroc <laughs> mais non pas du tout c'est juste que voilà vous avez des jeux exclusifs à la PS5. Bah, Allez-y, euh, faites-lui un petit bah, peu, euh, faites, euh... fumer la, faites fumer la machine. Donc voilà, pour, euh, pour ce duel finalement euh, équitable et qui se termine sur une belle égalité des deux coins, deux boxeurs euh, bah, émérites. Et on oh, va bah, faire à suivre, on verra un peu comment ces deux abonnements vont se poursuivre. Il est temps de faire une petite pause, un petit top 3 des familles. Un top 3 qui va s'intéresser cette semaine aux pépites méconnues et sous cotées Alors j'ai mis des, euh, des sécurités partout là. <laughs> Qu'est-ce que ça veut dire les pépites méconnues et sous bah, les Jeux un peu coup de cœur, donc euh, forcément des bons jeux ou des jeux qui nous touchent particulièrement et qui sont pas forcément euh, les plus connus, voilà. tout bêtement. Eu... Peut-être qu'il y a des jeux qu'on va vous dire vous allez faire un, euh, mais je. Euh, D'où et méconnu, ah je le connais. voilà Alors Déjà, vous êtes euh, déjà, audite... restez hein. déjà. Restez tranquille. Déjà, restez tranquille, mais vous êtes des auditeurs de Raid Alert, donc des euh, auditeurs de qualité éveillée. Donc c'est peut-être normal que les noms vous disent quelque chose. Mais bon, peut-être qu'on va vous surprendre. Nico, go pour le top 3 des pépites méconnues et sous côté avec ton top 3. Alors, je pense que tu vas te marrer. C'est My Gene and the Forsaken Kingdom. Ah Popo TPU. TPU. Donc, c'était un jeu PS3 qui émulait un peu le style Alaweda. Donc, c'était fait par Game Republic. Donc, euh, des transfuges de Capcom avec notamment Okamoto à leur tête. C'était un jeu, où voilà, on incarnait un petit personnage qui est accompagné d'un sorte de, bah, de géant, de troll un peu bêta, mais à on pouvait donner des ordres, en fait, et qui vous aidait dans la plateforme et tout. Il y avait vraiment cette ambiance, euh, monde un peu euh, post-apo, à la jap, tu vois, genre, euh, tout recouvert de mousse, de la verdure, vraiment un petit feeling Weda. Alors, on est loin de la qualité des jeux Weda. Mais c'est une aventure super agréable et je trouve qu'il n'a pas eu le retentissement que j'aurais aimé. C'est vrai. Il y a <coughs> peu d'héritiers. Il y en a eu quelques-uns comme Rhyme, par exemple, des jeux qui mmh. ont des, directement hérité des jeux de Weda et lui fait partie euh, des bons clients. En mmh. tout cas, je trouve très très bien ce euh, Forsaken... Comment il s'appelle Forsaken, Forsaken Kingdom. On attaque sur mon top 3. Alors, bizarrement, moi, j'ai trois jeux de DS. Alors, pourquoi ben, La DS, était un petit peu le, la console de la créativité et c'était aussi hein, la console où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux donc, finalement, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui sont tombés dans l'oubli. Donc, finalement, moi, c'est un peu un top 3 des. De je s. suis étonné que tu aies pris des jeux des ouais, SOS. Je suis ben ouais. pas aller là-dessus. Beaucoup de créativité peut-être de la créativité oubliée. On va commencer. Vous allez voir, il y a de la France. Hein, là, avec Soul Bubbles. Ah, vous connaissez Soul Bubbles ou pas Un jeu d'un studio qui. Enfin, studio, je crois qu'il ne fait plus rien aujourd'hui. Je crois que. Ouais, je sais plus s'il est encore en activité. Mais mais il euh... s'appelle euh, Make and Sleep. Donc, Make and Sleep. Super jeu de Déjà, des, des, des gens très drôles. Donc, c'est un jeu. Je pense je vais vous le décrire. Vous allez dire, j'ai pas du tout envie de jouer à ça. Tu as une espèce de bébé à poil, euh, c'est un ange qui vole, et en fait, toi, ton contrôle euh, sur le jeu, c'est que tu vas souffler. avec Grâce à ton petit stylet, tu vas euh, donc donner euh, un souffle à justement, Seul Bubble, à des bulles. Des bulles que tu vas pouvoir. En fait, le but, ça va être de rassembler des petits esprits, euh, des petites fées, et tu vas devoir traverser des, des, des niveaux comme ça avec différents, euh, différents pièges. Mais cette bulle, tu vas pouvoir la remplir d'eau, il va pouvoir y avoir de l'électricité. C'est vraiment. Extrêmement inventif, c'est extrêmement bien pensé. Ça vous donne pas envie, je suis sûr, Soul Bubbles, mais si vous avez une console et que vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement, allez jeter un oeil, ou en tout cas, allez mater un trailer. C'était Olivier Lejade, je crois, qui avait. Exactement. Un... Tu l'avais interviewé, toi. Je, je... l'avais Et il y avait d'ailleurs un niveau de Mario Galaxy qui reprend un peu cette mécanique de souffler sur une bulle, mais là, c'était quand même beaucoup plus développé. Ouais. Et dernière question, est-ce que la Marinière, c'est pour rendre hommage au jeu français dont tu parles Exactement. Est-ce que vous nous regardez sur YouTube Vous savez qu'on est sur YouTube Non, la Marinière, c'était évidemment pour faire un petit, un, petit, un, petit, un petit hommage. Voilà, Soul Bubble, Make and Sleep, ton top 2. Top 2, Alors je, je suis à peu près sûr j'en ai peut-être déjà parlé. Donc désolé d'avance. C'est Henry Hatsworth, un jeu DS aussi. Alors c'est un jeu Electronic Arts. Étonnamment, quand on parle de, de créativité et de méconnu, on n'a pas tendance à trouver. Ils ont toujours des petites imagineries. Trucs... Alors c'est un jeu bon on incarne un vieux là aussi. Ça donne pas trop envie, mais un vieux aventurier et on a l'écran du haut en fait on progresse sur un jeu d'action un peu plateforme ouais. donc traditionnel et l'écran en dessous c'est un puzzle game et donc en tuant les ennemis les ennemis passent dans l'écran du dessous et deviennent une sorte de brique de ce puzzle game et donc il faudra alterner entre les deux écrans bah, pour éviter que voilà le puzzle a tendance à monter un peu comme Tetris mais à l'envers en fait et si les briques montent trop haut bah, les ennemis repassent sur l'écran d'en haut en fait donc il faut toujours jongler avec ces deux écrans faut bien expliquer le principe. Le côté puzzle, <laughs> c'est assez simple, il faut aligner euh, donc chaque ennemi a une couleur, il faut aligner voilà trois couleurs au minimum de manière horizontale ou verticale. Et euh, bah, c'était super cool, super innovant. Alors passer d'un écran à l'autre et d'un gameplay à l'autre, c'est pas forcément le plus évident du monde, mais je trouvais le mélange audacieux et au final super réussi, quoi. Ouais, carrément, on a eu, on n'a <coughs> pas eu beaucoup de jeux qui jouaient comme ça sur une dichotomie avec les deux écrans. On a eu The World and With You aussi. Enfin, la version vraiment DS où tu devais en fait faire des manips et en haut avoir le système de combat. Enfin, c'est rare. Et ce Henry source euh... Et l'incroyable expédition, voilà, je savais qu'il y avait un ah. sous-titre. Ça, il y a un sous-titre. En tout cas, un jeu Electronic Arts, peut-être euh, qui vous est euh, méconnu. Euh, il avait eu très très bonne presse, mais je suis pas sûr qu'il ait été bien vendu. Il me semble que oui, ça fait partie vraiment d'une pépite méconnue qui rentre carrément dans ce top. Mon top 2, encore la France, un jeu Arcedo. Est-ce que vous avez remarqué que Arcedo, c'était arcade en japonais <laughs> Non mais c'est vrai que si tu le dis un peu, cadeau. Voilà. Big Bang Mini. Est-ce que vous connaissez ce jeu Big Bang Mini euh, Un jeu déjà où euh, la jaquette du jeu DS était l'anticulaire. Donc l'anticulaire, c'est le système où tu fais droite gauche et ça bouge un petit peu. Big Bang ah. Mini, c'est un c'est un shoot. Euh, voilà, un jeu de shoot où euh, tu as euh, tu dois jeter des feux d'artifice et en parallèle euh, des feux d'artifice, tu dois jeter des shoots. C'est très compliqué à expliquer. En tout cas, faites-moi confiance. Allez mater un trailer et encore une fois, si vous avez une DS qui traîne. N'hésitez pas Big Man Mini, c'est un vrai coup de cœur dans le sens où tu as un shoot efficace mais complètement différent euh, voilà dans sa façon de mettre en scène le shoot, tu ni un vaisseau ni une petite sorcière, vous savez que les les japs sont euh, voilà coutumiers, ils adorent les shoots et puis on a pu faire du shooter heroic fantasy, euh, du shooter militaire. Là ben bah, c'est pas fantavision, c'est un shooter. Ouais, on était presque un mix entre shooter et euh, casse un peu, et ouais. ils ont déplacé le, le vaisseau avec le stylet et on, on droppé comme on craque une allumette en fait pour envoyer les shoots vers le haut. Pareil, super souvenir de l'époque, euh, super jeu. Et Arcado aussi, c'est dommage, je crois qu'ils ont un peu euh, mis la clé sous la porte. Quoi. Donc c'était eux, Pix the Cat. <laughs> Pix the Cat, c'est Pasta Game. Pasta Game. Euh, ouais, bah, je bah, m'en veux des... parce que c'est moi qui t'avais euh, dit ça derrière. En tout cas, c'était tous des... Et qui bossaient ensemble. C'était tous euh... des bros, euh, voilà, cette, cette team euh, voilà, de gens de, de qualité qu'on salue s'ils si nous écoutent. Go pour ton top 1. À mon top 1, c'est peut-être le moins méconnu quelque part on va dire, c'est Away, oui, mais sur version PSV ah. PSP pardon, euh, PS Vita oui, parce que le jeu était ressorti sur version euh, PS4 derrière mais qui perdait quelques features évidemment. Donc c'est un jeu de Media Molecule, c'était euh, entre voilà, entre les Little Big Planets et euh, leur nouvelle licence dont j'ai oublié le nom. De Media Molecule Ouais. Leur jeu où on construit des jeux, justement. Euh... Euh, ah, j'ai bouffé. On va S le retrouver. C'est pas grave. Donc, terre c'était une aventure. Dreams. Sur, euh, Dreams, merci. Sur console portable et qui mettait en avant toutes les features de la FITA. De la FITA a, La FITA, l'écran tactile. Y a, <laughs> euh, donc, celui de devant, celui de derrière et tout. Et le joueur était vraiment intégré au cœur de l'aventure. Bon, on est représenté une sorte d'entité divine qui aidait le, le petit personnage. Donc, comme d'hab, hein, tout était fait un peu de papier mâché, etc. Une DA et canon. Et tu avais bah, cette éruption de toi dans le jeu. Donc, quand tu mettais les mains sur l'écran tactile de derrière, tu avais tes doigts qui sortaient sur la 3D. Donc, c'était des doigts modélisés, évidemment, pas les nôtres. Hein. Mmh. Tu pouvais prendre une photo de toi au début avec la caméra, mais bah, t'apparaissais dans le soleil. Bah, comme un télé <laughs> tu pouvais avoir une tête de bébé euh, <laughs> dans un soleil. Et c'est un jeu bah, qui a une ambiance de ouf, une musique de ouf. Direction artistique ou ouais, être très do-it-yourself, incroyable. Je, je suis pas trop client média molécule de leur jeu en général, mais sauf Terraway, vraiment génial. Chef-d'œuvre, et je me <laughs> permets, euh, voilà pour avoir fait la version euh, qui est sortie après, euh, sur console de salon, qui était. Euh Vraiment bien adapté, mmh. un petit peu plus ambitieuse même dans, la, dans les niveaux et tout. Franchement, les deux versions sont solides. Évidemment, si vous pouvez préférer la Vita pour avoir l'expérience originelle, et justement tout ce tactile derrière la console qui était très très intéressant. Mon top 1 aussi, et je crois que tu le partages Nico, euh, c'est un jeu qu'on adore. Et comme toi, c'est peut-être un jeu un peu moins méconnu. Vous connaissez sûrement Ghost Trick un jeu de Capcom, un jeu d'enquête. Pour lequel j'ai pas envie de vous dire grand chose, juste que voilà, c'est un jeu euh, qui est magnifique, mmh. qui a vraiment une direction artistique très très jolie. L'animation, elle est ouf, les persos sont modélisés, enfin c'est bluffant. Voilà, c'est une enquête, on n'a pas spécialement envie de vous dire voilà, le synopsis. Allez, euh, jeter un œil. C'est vraiment, vraiment un jeu coup de cœur excellentissime sur tous les points et qui, je trouve, hélas, n'a pas un le, eu le retentissement et qui a pas traversé les, le temps ouais. comme il le mériterait. On a un peu, juste pour remettre un, un indice, une ambiance à la Phoenix Wright, un oui. peu, mais peut-être encore plus point and click que les Phoenix Wright. Et en euh... fait, c'est des sortes de tableaux, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu arrives sur un, une, des lieux d'enquête où tu vas devoir, pour avancer, résoudre la petite énigme qui va te faire qui va faire avancer le scénario mmh. le jeu a un scénario très solide et c'est comme d'hab hein, c'est Capcom qui va te poncer une licence jusqu'au trognon avant de te ressortir euh, une nouvelle pépite euh, une nouvelle IP du tiroir étonnamment celle-là bah, ils ont pas fait des suites à foison donc est-ce que ça sous-entend que ça s'est pas bien vendu c'est compliqué la DS. c'est hein. le même créateur que Phoenix Wright si j'ai pas de bêtises en tout cas derrière Ghost Trick vraiment euh, incroyable jeu qu'on vous conseille c'est mon top 1 et je sais que toi aussi t'aurais... Peut-être aimer le mettre en top 1. Est-ce que tu as des mentions Alors j'ai une mention, qui est là, c'est plus private joke. Hein. Ken apprécie ce jeu aussi, je crois. Non, on partage faux. Euh, ce, ce petit, euh, cette petite honte. Bionic Commando, donc la version PS3 360, donc l'adaptation en full 3D de la licence culte de Capcom. Et en fait, sous ses abords de jeu à la DA dégueulasse à la technique limitée, c'était un super jeu. Et il est passé complètement inaperçu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il a dû bien vieillir, hein, mais je trouve qu'il avait fait du super taf. Et c'est rigolo, on retrouvait le perso d'un Marvel Capcom 3, donc oui. avec son look de Periodic Commando next-gen, quoi. Qui a un look un peu dégueulasse, on va pas se mentir, c'est un petit trait de vue, quoi. Mais euh, le jeu était mortel. Bon, je vais pas gâcher ton top. Moi, je trouvais que... Un jeu qui exploitait mal un grappin en 3D euh, dans un jeu d'exploration en grappin 3D, c'était dommage. <laughs> mais bon, c'est pas grave. C'était ta mention. Moi, j'ai une petite mention, c'est Pandora's Tower. Mm. Euh, un jeu connu dans une fausse trilogie, oui. En fait, en Europe, on a eu la chance d'avoir euh, trois versions collector de Xenoblade, The Last Story et Pandora's Tower. Donc, ils sont absolument liés en rien, hormis le fait que voilà, la, voilà, Nintendo a mis en avant. Euh, ils sont un peu RPG, euh, Ils sont vraiment ouais. RPG. Mais voilà, on avait la même forme de collector. Et donc, voilà, ouais, Pandora's Tower, c'est un jeu Gambarion qui est un studio peu connu, en tout cas. Si vous aimez One Piece, ben voilà, eux, ils ont fait une tétrachier de jeu One Piece, mais ils ont fait ce Pandora's Tower qui, moi, vraiment, c'est un jeu que j'adore, qui est un mix très simple entre un Castlevania en 3D et un Zelda. Il euh, y a une tour, des allers-retours à faire, une histoire glauque où il faut récupérer euh, des éléments un peu. Euh, des organes. Hein, ouais, des ouais. organes, ouais. Euh, tu vas donner ça à ta princesse euh, pour qu'elle le mange et qu'elle s'en sorte. La direction artistique est trop bien, le gameplay est trop bien. Euh, franchement, ça, c'est chaud parce qu'il faut vraiment y jouer sur Wii. Oui. C'est un jeu qui s'est pas, pas vu euh, remasterisé ou remaqué. Okay. <laughs> Voilà, Pandora Tower, moi c'est mon mention sur ce méconnu. Mais c'est vrai que de ces trois-là, c'est certainement celui qui est le moins resté à la postérité. quoi. Carrément, parce que nous avons fait un ludothèque The Last Story et Xeno, on a fait un livre Xeno Gears et peut-être un jour sur la trilogie Xenoblade. Est-ce qu'on fera un ludothèque Pandora Tower Je pense qu'il aurait sa place. À, à voir. Hein. Ma foi. Hein. Si vous l'aimez, vous voulez écrire, hein, on sait jamais. On est ouvert. Voilà pour cette interlude de top 3. Les pépites méconnues et sous-côté. N'hésitez pas à nous donner votre top et des idées de top. On passe sur la seconde chronique et euh, on va parler. Euh, d'un grand nom du jeu vidéo. Tout à fait. On va parler de Sam Barlow parce que c'est bientôt la pause estivale des raids alert. Hein, on va préciser ça à la fin. Et donc, bah, il est temps déjà de commencer à préparer un petit peu nos vacances et notamment l'arrivée le 26 juillet prochain de Immortality, qui est le dernier jeu de Sam Barlow en date. Donc, bah, c'est l'occasion pour moi de parler du créateur anglais et de sa ludographie. Bah, histoire d'être prêt, en fait, hein, pour découvrir son nouveau projet. Donc, je l'ai dit, hein, Sam Barlow, c'est un développeur de jeux vidéo anglais, donc on va faire une petite bio, mais on ne va pas s'attarder très très longtemps. Bah, la première partie de sa carrière, tout bêtement, elle n'est pas super intéressante, en fait. Hein. Il a bossé sur beaucoup de titres assez médiocres, qui étaient développés par Climax Studio. Hein, c'est là où il travaillait, donc il y a du Serious Sam Next Encounter, okay. ou du Ghost Rider, donc tu vois un peu le délire, hein, des jeux à licence pas ouf. En, 2010, en 2007, hein, l'histoire vient un peu changer, donc l'équipe de Climax... UK donc anglaise dans laquelle Boss Sam Barlow, ben elle est appelée à la rescousse en fait pour reprendre en catastrophe le développement de Silent Hill Origins donc la déclinaison sur PSP de la saga de Konami qui était aux mains jusqu'à maintenant de, de la branche US de Climax. Donc je dis appelée à la rescousse mais plus exactement en voyant la catastrophe ben l'équipe anglaise est venue un peu faire du grain avec Konami en disant okay. eh hey, file nous le bébé nous on pourra faire quelque chose de bien parce que les premières images qu'on a vues du Silent Hill Origins, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, c'était un peu inquiétant. Le mec avec le camion. Hein. Le mec avec le camion, mais dans les premières versions, il y avait une vue caméra euh, à l'épaule, euh, on avait un, un laser infrarouge provisé, enfin on a dit que ce n'était pas un Silent Hill. C'était euh, <laughs> inspiré de RE4, hein, donc euh, ah ouais, ce n'était pas forcément ce qu'attendaient les fans de la série. Donc quand ils reprennent le développement, ils n'ont qu'une seule année pour redresser la barre en fait. Et du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de faire un jeu finalement assez classique qui respecte vraiment les le créneaux habituels de Silent Hill. Mais ils vont quand même bah, creuser un petit peu les motivations des personnages et leur psychologie pour essayer de faire une petite histoire intéressante. Ils sauvent un peu la baraque parce qu'il n'est pas révolutionnaire mais il est tout solide. Classique mais efficace. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Euh, un mm -hmm. jeu qui est très intéressant à faire. Donc suite à ce coup d'éclat, ben, Konami leur confie le développement d'un remake du premier épisode de Silent Hill. Je passe vite parce qu'en fait, ils ont proposé plusieurs pitches et tout mais ont, finalement, ils se mettent d'accord là-dessus. Okay. Donc il sera fait sur la Wii. Donc c'est Silent Hill mémorise Memories. Un jeu, je crois, qu'on adore ici à la rédac hein, qui est une relecture mm -hmm passionnante du premier épisode... et c'est pour la première fois en fait Sam Marlowe et son équipe... qui ont vraiment les mains libres à hein, carte blanche pour faire le jeu qu'ils aiment... donc là dessus je l'ai dit on va pas s'apesantir sur cette partie de la carrière... Si euh, les deux Silent Hill vous intéressent, on vous renvoie vers notre bouquin euh, dédié où les auteurs, justement, Damien Mechry et Bruno Provezza, vont parler de ces deux jeux dans le détail. Donc n'hésite pas à les jeter un œil là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, en fait, le succès de Silent Hill Shattered Memories attire l'attention de Square Enix. Et ils vont confier à Barlow et son équipe bah, la mission de rebooter la saga Legacy of Kane avec un épisode qui s'appelle Dead Sun. Mmh. Alors Dead Sun, il est devenu célèbre malgré lui parce que finalement, voilà le projet sera annulé. Donc en 2013, après trois ans de développement... Donc Barlow là-dessus était réalisateur et scénariste, donc il a un petit peu les boules. Et après ça, il va passer un an à pitcher un peu des idées aux éditeurs sans succès en fait. Et euh, à une époque en fait où tout le monde découvre un peu le modèle du jeu free-to-play sur, euh, sur smartphone. Et donc il dit, euh, voilà, il a un petit moment déclencheur en disant, bah, plus personne en fait veut financer les jeux que j'ai envie de faire moi, donc euh, des jeux solo narratifs axés sur le développement des personnages. À part quelques exceptions comme Sony, tu vois, qui ont vraiment un acteur qui a, qui a de la thune, bah, il dit, bah, en fait, voilà, le marché ne correspond plus forcément à mes goûts. Et donc, il quitte Climax Studio pour se lancer en tant que développeur indé. Donc, à ce moment-là, il sait qu'il ne peut plus envisager un développement traditionnel pour son jeu, donc quelque chose à grande échelle, etc. Et il connaît justement bah, les mecs de Simogo, on en parlait tout à l'heure, ah. les développeurs suédois de jeux smartphones. Donc, je répète, hein, ils ont fait notamment Year Walk et Sayonara Wild Arts. Certainement, leurs deux jeux les plus connus. Et donc, euh, bah, Barlow se rend compte que leurs potes, ils arrivent à créer des jeux à succès sur téléphone à deux euh, développeurs, avec un scope qui est pas gigantesque et tout. Et il dit, bah, pourquoi je ne pas moi aussi quelque chose comme ça, un petit, à, petit, à petite échelle, quelque mmh. chose de personnel, sans interface lourde en 3D, quelque chose de simple. Et donc, il se lance sur ce dev d'abord en vivant sur ses économies. Hein, donc, en mode YOLO, okay. One Life, let's go, quoi. Donc, sa première volonté pour ce projet, ça sera de créer quelque chose autour des procédures de police criminelle, hein. c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Il adore les jeux Phoenix Wright. Bon, c'est un peu oui. surprenant, mais ce qu'il aime bien, c'est que c'est des jeux qui ont plein de rebondissements tout le temps. Donc l'histoire est toujours, est toujours un peu folle. Il veut aller dans ce sens-là, mais il souhaite aussi donner un peu de liberté aux joueurs, en fait, euh, ouvrir un petit peu ses perspectives. Là-dessus, tout de suite, il envisage une histoire avec du sous-texte, avec des non-dits, et qui est inspirée par la série américaine Homicide. Je sais pas si tu connais, apparemment, non, elle été oui. diffusée en France. Et selon lui, en fait, les meilleures séquences de cette série, en fait, c'est quand ça se passait dans la salle d'interrogatoire. C'est ce qui rendait okay. la série passionnante. Apparemment, elle a même gagné des Emmy Awards et tout, donc euh, elle avait quand même eu sa réputation. Et donc, lui vient euh, l'idée, en fait, de faire un jeu qui serait axé sur ce principe d'un Interrogatoire d'un suspect par la police, et donc c'est ainsi que naît Her Story, donc son nouveau projet, et qui voit le jour en 2015 sur PC, smartphone et tablettes. Donc là, comment ça se joue en fait bah, Le joueur on est placé face à un écran d'ordinateur, donc ça émule un peu notre position en tant que joueur, et on a accès à un moteur de recherche en fait qui va nous donner euh, ouvrir un peu le répertoire d'archives vidéo en fait d'un interrogatoire d'une suspecte. Et donc, en fonction du mot qu'on va taper dans le moteur de recherche, bah, vont apparaître des vidéos en fait, où ce mot sera cité explicitement. D'accord. C'est en donc, fonction du mot que tu vas taper que la vidéo va, te, va être sélectionnée si le mot que tu as tapé est dans la conversation. Exactement. Okay. Donc, à chaque fois, quand le jeu se lance, bah, on, on nous montre un exemple. Il y a écrit « Murder okay. ». C'est validé. Donc, tu as cinq vidéos qui apparaissent. À chaque fois, c'est cinq vidéos max. Et euh, ah. où ce, ce, le mot murder » sera prononcé par un des personnages. Donc c'est à nous là-dessus bah, de tenter différentes approches, hein. donc euh, d'approfondir un élément euh, raconté par le personnage, ou bien bah, de tenter de, de rentrer le prénom d'un perso qui a été cité aussi dans la discussion. Donc il y a certaines de ces pistes qui vont mener à rien, alors que d'autres justement bah, vont permettre l'accès à d'autres vidéos et permettre de mieux comprendre bah, l'histoire en question en fait. Donc, l'interrogatoire, il est éparpillé sur plusieurs jours, hein, et on va le découvrir, nous, de façon complètement anti-chronologique. Donc, en fonction des mots qu'on tape, on n'a pas le déroulé un petit peu dans l'ordre. Donc, ça sera à nous de recoller un petit peu les morceaux mmh. et de retracer toute la chronologie un petit peu dans notre tête. Donc, j'ai dit, il n'y a que cinq vidéos qui apparaissent, mais c'est les cinq dernières vidéos chronologiques qui... c'est cité le terme. Donc, ça permet voilà, de ne pas trop faciliter les choses aussi en mettant tout l'accès disponible dès le début. Et pour nous aider, on a juste un élément d'interface qui apparaît et qui indique le nombre de vidéos totales en fait qu'on peut débloquer qui sont dans la banque de données en fait on voit lesquelles on a déjà débloqué donc ils sont okay. signalés en couleur et leur place dans la chronologie et okay. donc on a signalé aussi la vidéo qu'on est en train de regarder ben, ça permet voilà de dire bah là j'ai débloqué cette vidéo elle apparaît plutôt à la fin donc je serai plutôt sur les derniers tenants et aboutissants oui. du scénario quoi système peut-être un peu complexe à expliquer mais tu as une belle lisibilité quoi en tout cas quand tu es dans le jeu tu comprends les tenants et aboutissants oui que... L'interface émule vraiment un PC un peu old school, donc il ouais. n'y euh, a pas grand-chose à cliquer dessus, c'est assez simple. Écran cathodique. Euh... Exactement. Et donc niveau représentation, on est sur de la pure FMV. Ouais. Donc FMV, si vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que c'est, c'est la full motion vidéo. C'est qu'un jeu vidéo en fait utilise euh, bah, des séquences filmées avec des vrais acteurs en fait. Voilà. Et Kitch. donc <laughs> ouais, à l'époque, c'était vraiment vu comme quelque chose de et qui avait complètement disparu. Et là, on se rend compte, bah, notamment à travers un Story, qu'il y a une vraie, un vrai retour en avant de ce genre de jeu là. Et donc euh, là-dessus on a bah, une actrice qui incarne donc le personnage principal et qui va être interrogée par la police, donc les, la police on va jamais les voir en fait, hein, c'est focalisé toujours sur le perso, et c'est ces vidéos-là en fait qu'on va contempler, qu'on va, qu va checker là-dessus. Cette actrice, justement, elle, elle s'appelle Viva Seyfert, mmh. Et bah, elle avait fait du bruit à l'époque parce que son interprétation, bah, elle est assez brillante hein, du personnage. Et elle avait notamment reçu bah, le Game Awards de la meilleure performance en 2015 à cette occasion. Alors, okay. c'est marrant parce qu'elle est actrice et musicienne, hein, mais il faut savoir qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a été médaillée de bronze en GRS au JO de Barcelone en 92. Allez, euh, Voilà, la petite. Euh, artiste et sportive. Donc, euh, malgré cet aspect bah, vidéo, on pourrait se dire, bah, c'est pas vraiment du jeu. Pour moi, Air Story, ça reste du pur jeu vidéo, hein, malgré cette approche cinématographique, parce que le joueur, en tant que joueur, on est vraiment au centre du processus. C'est à nous de décider de comment on enquête, c'est à nous de réfléchir à quel mot on veut taper. Et je trouve le jeu atteint une sobriété dans son concept qui en fait sa force, et moi vraiment, il m'a accroché. Donc on a l'intrigue bah, qui est super intéressante, hein. on sent dès le début qu'il y a un petit voile de mystère à creuser, et vraiment ça mobilise bah, nos capacités d'interprétation en fait en tant que joueur, parce qu'on est autant interrogateur de police qu'on est un petit peu voyeur, tu vois. Il ouais. y a certaines vidéos où elle raconte sa vie, où elle va jouer de la musique, ou où... qui ont pas grand-chose avec l'enquête, mais voilà, on les regarde avec les yeux du mec un peu curieux quoi. Et donc en fonction bah, de tes recherches, c'est aussi possible bah, de tomber rapidement sur les vidéos qui sont un peu clés et qui vont euh, dérouler euh, l'intrigue. Hein. Apprendre à en parle entre nous. C'est que vrai que... tu, que tu crois. C'est vrai que c'est quand même très, très bien calculé et on a tous un petit peu le même process, on a tous passé un peu par les mêmes checkpoints et... Non, enfin. mais il a, je pense vraiment qu'il a calculé euh, vraiment son coût. Et là, de ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc le, le fait qu'il aime bien les thrillers euh, psychologiques ou en tout cas les, 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 les romans de profilers. Mm. Euh, ces romans, ces thrillers sont souvent écrits de la même façon c'est-à-dire que ces auteurs ont une écriture mathématique. C'est que si tu enlèves le moindre chapitre ou sous-chapitre de ces intrigues, en fait, tout s'effondre comme un château de cartes et tu as l'impression que les choses parfois n'avancent pas, mais chaque chapitre mm. et sous-chapitre va amener un élément qui te sera essentiel et fondamental pour comprendre la conclusion à la fin du roman tu fais ah mais c'est toi le meurtrier ah mais oui j'ai compris parce que et l'enquêteur en fait va monter ça ce que je veux dire avec cette écriture mathématique c'est que Sam Barlow ben, clairement c'est ça qu'il a c'est qu'il possède cette écriture où toi tu vas avoir l'impression que tu as ton cheminement de pensée mais derrière lui euh, je crois qu'il y a des vidéos qui traînent ou en tout cas on voit ces tableaux Velleda et tout machin mmh. il a une écriture en fait à tiroir et en fait c'est incroyable. Comment ouais. on... Bah écoute, chaque mot est pesé. Pour le coup, l'expression là fonctionne à merveille parce que justement, c'est à nous de pouvoir retrouver ces mots-là dans les discussions. Donc, il ne peut pas se permettre de se louper là-dessus et tout est calculé évidemment pour en dévoiler, bah, au fur et à mesure un petit peu. Ce qui est cool, c'est que bah, saisir euh, l'intrigue, ça demande de visionner plusieurs vidéos, mais pas toutes. Et ces vidéos sont en général assez courtes. Hein. C'est euh, 50 secondes, 1 minute 20. Donc finalement, on est quand même dans un rythme plutôt élevé. Et c'est plutôt cool. Il y a quand même un générique de fin, vous savez que j'aime ça, hein, ah, qui ça se déclenche pas. au bout d'un moment. Okay. Mais jamais le jeu va te dire, c'est bon, t'as trouvé ce que tu dis, bah, c'est la vérité et tout. Donc il y a toujours ce côté un peu interprétation personnelle qui, qui reste qui reste là. Quoi. Mm -hmm. Donc le jeu est pas très long, j'ai dit, c'est... 1h30, 2h pour comprendre un peu le fameux de l'histoire. On peut pousser plus si on va voir toutes les vidéos. Mais c'est vraiment assez passionnant à, à suivre. Il y a juste un bémol, c'est que c'est en anglais uniquement ce jeu. Donc ouais, ça peut. là, vu le temps, je pense qu'il sera jamais traduit. Donc les dialogues sont sous-titrés. Donc ça, c'est quand même cool pour pouvoir suivre. Mais voilà, faut quand même avoir un niveau d'anglais minimum pour comprendre ce qui se dit. Et surtout pour taper mots les mots derrière. Ouais. Voilà, donc c'est assez à signaler quand même. En tout cas, bah avec Earth Story, bah Sam Marlow, il trouve son style, hein, donc c'est la fiction interactive, mm -hmm. donc en faisant intervenir de vrais acteurs. Et c'est ce créneau-là bah, qui nous intéresse aujourd'hui et qui va décliner dans des projets suivants. Donc surtout un projet suivant parce que le prochain jeu dont on va parler est plus mineur, donc c'est War Wargames hashtag hein, #WarGames il s'appelle. Donc c'est euh, la suite justement, bah, c'est War Game, pardon qui est sorti en mars 2018 okay. et ça reprend la formule de Earth Story en multipliant un petit peu le nombre de personnages. Donc oh là, on passe à l'étape un petit peu plus ambitieuse. On va suivre des jeunes hackers en fait, et dans une sorte de revisite un peu moderne du film WarGames, je ne sais pas si tu connais, oui, oui. Euh, film de 1983 avec Mathieu Broderick, qui était plutôt cool, hein, qui est devenu assez culte. Et euh, bon, ce hashtag WarGames, hein, c'était sous-titré saison 1, et donc découpé en 6 épisodes d'environ 20 minutes. Et euh, voilà, là-dessus, Barlow, il a réalisé et écrit beaucoup d'épisodes, et il était un peu la caution jeu vidéo sur le projet. Il okay. faut savoir que ça a été développé par un studio qui s'appelle Echo, mais qui est plus connu pour faire un plus, plutôt des vidéos commerciales interactives, hein, pour de la pub ou du e-commerce. Donc on sent que c'est plus voilà un jeu de commande, en fait, réalisé en partenariat avec MGM, le studio oui. donc qui possède la licence Wargames, et que Sam Barlow a été ramené un peu pour son expertise, voilà en disant... On veut faire une pub géante pour notre oui. projet, tu seras à la caution vraiment jeu vidéo là-dessus. Mais moi, je t'ai passé un petit peu à l'as, tu vois. Mmh. Ce nom, euh, me, dans le CV de Sam Barlow, je ne l'avais pas reconnu. Bah, tu pas le seul, hein, parce qu'il n'y a pas eu de saison 2. Euh, Aujourd'hui, le jeu, tu ne peux plus te le procurer. Okay. Euh, sur Steam ou autre, il est plus dispo à la vente, donc ça confirme son côté pub géante, un peu happening. Donc, je me, je me fie que à l'avis de Damien, qui a fait le jeu, qui m'a dit que c'était intéressant sans être incroyable. Donc, okay. euh, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on peut plus y toucher aujourd'hui. Et donc, je l'ai dit, hein, c'est un projet mineur, on va pas s'attarder dessus, quoi. Le, second jeu qui nous intéresse, c'est Telling Lies, lui, qui est sorti en août 2019. Donc, là, vraiment, encore une fois, il reprend le concept de Earth Story, mais là, il va pousser les potards à fond. Donc le jeu est beaucoup plus ambitieux. Donc déjà dans l'équipe de développement, euh, Barlow cette fois il accompagne à l'écriture. Hein, il est plus tout seul là-dessus. Okay. Et l'histoire va mettre en scène quatre personnages principaux et aussi un tas de rôles secondaires. Et le tout, bah, c'est filmé voilà dans des vrais décors, des décors variés. On n'est plus sur la simple scène d'interrogatoire quoi. Plus de budget. Donc là vraiment en termes d'aspect visuel et en termes cinématographiques, c'est vraiment beaucoup plus chiadé et euh, beaucoup plus agréable à l'œil on va dire que Her Story, qui était un peu un peu euh, just là-dessus quoi. Ouais un peu, ouais. Euh, c'était le début de la démarche, quoi. Ouais. Il y a aussi des améliorations au niveau de l'ergonomie générale, à hein, savoir que... Déjà, c'est en français, donc ça, c'est cool. Merci à ouais. Pourna qui a édité le jeu, donc là-dessus, il y avait un peu plus de moyens. Tu as des présences de sous-titres dynamiques, c'est-à-dire que quand les persos parlent, tu peux cliquer sur un mot et le rechercher directement, donc ça t'évite à chaque fois de tout noter là-dessus t'as aussi plusieurs vitesses pour avancer ou rebombiner la vidéo si tu veux vérifier quelque chose. Donc ça, un peu de cool. qualité de vie. Exactement. <laughs> Alors il y a un truc qui est à la fois cool et pas cool, c'est que quand tu cliques ton mot, ben, ça va te dévoiler les vidéos dont dans... ce mot est cité, mais ça te fait démarrer la vidéo à la première occurrence du terme en fait. Okay. Donc c'est ce cool, si tu veux vérifier quelque chose, ben, tu auras l'accès direct à la phrase avec le contexte. Et donc si le mot est cité quatre fois, ben, tu auras quatre euh, clics rapides en fait vers ce terme-là. Mais c'est un peu laborieux si tu veux voir la vidéo en entier parce qu'il faut rebobiner. C'est long, c'est chiant, donc je pense que ça n'a pas été pensé pour euh, cliquer oui. à chaque fois à rouvrir la vidéo, c'est plus pour... Euh, faut jouer le jeu, quoi. Voilà, faut, faut, faut dire, ben, ce côté-là, la faut que je veux, elle est sur cette partie de la vidéo, je verrai le reste certainement si je tape un autre mot-clé. Faut vraiment, faut vraiment euh, <coughs> picorer, enquêter, parce que, comme tu l'as dit, les vidéos sont plus longues que sur leur story, donc euh, se retaper les rewind jusqu'au début et tout, c'est peut-être un peu laborieux. Exactement, donc euh, les vidéos longues, tu l'as dit, moi c'est le gros défaut du jeu, c'est que là... On peut atteindre des vidéos parfois qui font 7-8 minutes. Et il y a cette espèce d'idée où tu vois, le, oui. dans des vidéos séparées, le champ et le contre-champ de la discussion. C'est-à-dire que tu vas trouver une vidéo qui aura que euh, les dialogues d'un des personnages. Imaginez un FaceTime. Et, euh... et, tu, voilà, et tu vois qu'un côté à chaque fois. Donc tu peux avoir des vidéos où le perso va être en train d'opiner du chef oui. ou de dire une phrase pendant 8 minutes. Et il faut trouver la vidéo correspondante où tu auras le versant de l'autre personnage. Oui. Alors. Je vois le côté intéressant de se dire bah, « ça permet de te focaliser sur le jeu d'acteur, tu vois, les mimiques, les expressions », mais je trouve que ça, le rythme en pâtit vraiment, et des fois, bah, ça peut quand même te paumer, parce que si tu vois un versant d'une vidéo au début de ta partie, et l'autre trois heures après, tu fais pas forcément toujours les connexions, déjà que c'est compliqué de se refaire la chronologie dans sa tête, donc c'est pas évident. Parce qu'il suffit euh... sûrement qu'il fallait pas, qu'il fallait jouer le jeu de pas se taper toutes les vidéos de 7 minutes une justement être euh, prendre le terme et, et les regarder. Exactement. Moi ouais. j'avais une question. Est-ce qu'il y a vraiment des jeux de faux semblants Est-ce que euh, le fait de voir qu'un chant n'est pas le contre champ du coup tu vas avoir à y assimiler une information et tu vas te rendre compte que ce que tu pensais c'était pas du tout ça. Et que des fois tu peux te faire des fausses interprétations bah, sans le contexte. C'est hein, que c'est compliqué et t'as vraiment des fois où tu as le perso qui va juste sourire ou s'énerver et, et as tu n'as aucun élément donc là-dessus bah, tu sais pas du tout de quoi il est question et surtout que là bah, l'histoire elle est beaucoup plus ambitieuse dans le sens elle est plus ambiguë elle est plus complexe il y a vraiment beaucoup de scènes euh, qui sont là en surplus tu vois genre le mec qui fait la vaisselle ou qui raconte une histoire à sa fille qui n'ont rien à voir avec le scénario c'est juste pour créer du contexte et du background de personnages. Et pas pour brouiller les pistes, pas spécialement. Pas, pas spécialement, mais c'est plutôt cool de okay. prime abord, tu vois, de se dire que il y a quand même une ambition un peu différente. Mais c'est vrai que ça peut donner l'impression d'un jeu qui est quand même moins rythmé. Un peu de gras, quoi. Peut-être un petit peu dommage le côté épuré de leur story. Euh... Je pense c'était volontaire, mais effectivement, oui. ce côté euh, le gras, qui est un peu le côté plus épuré, en tout cas plus sobre de leur story, ben mm -hmm. moi m'avait quand même un petit peu plus parlé. Donc euh, voilà, juste pour terminer sur les conditions de jeu, moi. C'est des jeux que j'ai fait sur tablette, hein. c'est vraiment pensé pour le PC ou la tablette. Telling Lies, il est dans le Game Pass, mais oui. euh, j'ai trouvé ça super laborieux à la manette, donc je me suis rabattu sur la version tablette. J'ai essayé de brancher une souris sur ma Xbox, ça marche pas. J'ai essayé de jouer sur tablette, mais avec l'appli cloud de la Xbox. Alors ça émule le tactile, mais ça émule juste une manette tactile, donc c'est pas beaucoup plus pratique. Je sais pas s'il y a un micro sur la manette de Xbox Series. Parce je que, que je je suis sur la sûr. PS5, oui. Donc euh, tu aurais peut-être la fonction où tu dis le mot à voix haute et. Mais bon, je crois pas qu'il qu y a un micro. En tout cas, voilà, c'est pas forcément des jeux optimisés console, ouais. donc euh, à voir si vous avez moyen de les faire ailleurs. Et les deux jeux, aujourd'hui, ben, tu peux les choper pour à peu près une vingtaine d'euros. Euh, si vous êtes sur Steam, il y a une promo actuellement, donc un bundle Earth Storytelling Lies pour 6,30€. Allez, le bon titre. Donc c'est plutôt cool. Ben, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que moi, j'attends impatiemment la sortie de Immortal, donc le 26 juillet, mm -hmm. donc le nouveau jeu de Barlow. Donc ce qui est cool, c'est qu'il sera dispo Game Pass Day One, et aussi sur Netflix, donc dans l'abonnement jeu. enfin... Si vous avez un abonnement Netflix et un smartphone, vous pourrez y accéder sans surcoût. On ça en parlé, cool. ouais. il y a 15 jours, Netflix devient très, très sérieux. Et donc, Immortality, lui, ben, le plot, cette fois, va s'articuler autour des films perdus de Marissa Marcel, donc une actrice. Donc, c'est trois films jamais sortis dans lesquels elle a tourné. Donc, trois ambiances, trois époques différentes. Et pour comprendre le fameux de l'histoire, on va devoir analyser cette fois les images du film. Donc, non plus taper des mots-clés, mais on va devoir ben, faire un zoom ou un arrêt sur image sur un élément. Et s'il y a une correspondance dans un autre des films, on va passer un extrait d'un autre film en fait oui. et donc c'est de cette façon là qu'on va voir un petit peu le résoudre cette intrigue donc cette fois aussi Barlow il est accompagné par d'autres auteurs notamment des gens qui ont bossé sur Queens Gambit ou Mr Robot donc oui. voilà on atteint le pédigré là de scénariste plutôt intéressant et je suis super intrigué parce qu'ils on, ont créé toute une mythologie autour de cette actrice. Il y a un côté un peu film jaloux, un peu avec ce rendu vintage. Ouais. Et même peut-être une vibe un peu horrifique, je sais pas ce que tu en penses sur les trailers, où on sent qu'il y a un truc un peu malsain qui se ouais, passe. Ouais, ça a l'air un, hein, un petit peu glauque. En tout cas, moi, c'est vraiment aussi un jeu qui m'intrigue énormément, dans le <laughs> sens où il va faire une mise en abîme, dans tous les sens du terme. C'est vraiment au niveau du gameplay, on va rentrer, on va s'immerger et foncer dans chaque image et se perdre. Et c'est une mise en abîme, je pense, du cinéma et du monde de l'image. Lui qui a fait un jeu vidéo avec de la FMV, donc qui fait, de, qui fait un jeu avec, des, avec de la, du film. Il est passionné de cinéma, qui oui. Va faire un, un... Qui va faire un jeu sur des films, avec qui parle d'un film, je pense que ça va être incroyable. Exactement, donc là on voit vraiment que ben, c'est un créateur qui a sa ligne de conduite. On aime ou on n'aime pas, hein. c'est comme David Cage c'est comme Kojima. Mais ce qui est cool, c'est que là on voit qu il, Immortality, il fait déjà un petit peu évoluer son concept. Donc, euh, vraiment, on voit que, voilà, il, ça turbine un peu là-dessus. Ouais, il creuse euh, vraiment son sillon, et vraiment, moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il a il, il s'est démarqué, tu l'as dit, avec Silent Hill Origin, où il est arrivé un petit peu en catastrophe, mais où il est néanmoins crédité vraiment au scénario, donc il a pris, tu vois, pour lui, l'écriture, et il s'est démarqué, justement, par son savoir-faire mmh. de l'écriture, et... Là où moi je trouve ça génial, c'est qu'il a transformé le FMV, quelque chose qui était complètement kitsch, en quelque chose qui est extrêmement contemporain et qui fait rentrer de plein pied, voilà, ces jeux dans le jeu vidéo. Enfin, moi vous savez que s'il n'y a pas de gameplay d'interaction, ça me dérange très personnellement. Je vais pas, je vais pas dire que ça, c'est enfin, ce genre de jeu, c'est pas des jeux vidéo, mais. Les FMV, les titres FMV de l'époque, c'était bien un truc qui était de l'anti jeu vidéo. C'était ça, quoi. Mmh. C'était que tu regardais quelque chose, t'avais une direction à donner. Si tu donnais pas la bonne direction, ça se stoppait, ça repartait. C'était vraiment très très on limité. On se rappelle de Night Trap sur Mega CD hein, notamment, qui restait culte pour son côté justement super kitsch, quoi. Et le FMV, tu vois, est mort de ça. Enfin, mmh. Vraiment, il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'écho, il n'y a pas eu de, de, de synchronicité, on va dire entre l'interaction et le FMV. Et Sam Barlow, c'est incroyable, c'est qu'il a repris ça pour lui. Et pour le coup, c'est du pur jeu vidéo, es, tu l'as dit, tu es entièrement impliqué. Tu vas vraiment enquêter, tu vas interagir avec le jeu. Et le jeu, si tu t'arrêtes, il, il, il se passe rien. Et vraiment, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, j'ai à peine fait euh, Telling Lies. Mais le second euh, me range de ouf. Quoi. Vraiment, cette mise en abîme du cinéma, euh, j'en attends beaucoup. Il y a des chances qu'on en reparle à la rentrée, en tout cas, des raids d'alerte. Euh... Carrément. Donc voilà pour le petit topo. Merci Nico sur ben, la carrière et la démarche, démarche de Sam Barlow. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui ce raid alerte euh, avant dernier raid alerte de l'été. Alors pas de la saison. Hein, voilà chasseur de les, les saisons des podcasts. Voilà c'est de janvier à décembre. On est sur un rythme calendaire classique et pas scolaire. Euh, plein de podcasts. Euh, voilà les, les saisons euh, c'est l'été. Nous non. On fait une petite pause estivale. Le dernier raid d'alerte ça sera la semaine prochaine. Euh, Est-ce que non? Pas le programme d'abord, on va remercier tout le monde, on va remercier Ken, Damien et Ludo de l'équipe, évidemment, on vous remercier à vous pour votre fidélité, merci encore hein, de nous mettre des pouces, des likes, des commentaires, ça nous fait ultra plaisir, on a eu vraiment beaucoup de bons retours, mmh. beaucoup de notes sur les applis, franchement c'est cool, euh, ça aide, voilà, on est sur Youtube, sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. La question maintenant que vous attendez, Ça a... c'était pénible hein, cette petite minute de promo, <laughs> euh, mais c'est le programme de ce dernier épisode, le dernier épisode avant l'été. Qu'est-ce que tu nous réserves bah Écoute, la fin des raids d'alerte, du coup, on va s'intéresser un peu à la fin d'une époque dans le jeu vidéo, okay. avec plein d'éléments qui ont plus ou moins disparu de nos habitudes et sans forcément qu'on s'en rende trop compte. Ouh. Il y aura plein de trucs différents, vous allez voir, j'en dis pas de plus. Un euh... truc un petit peu thématique, fin, fin des raids d'alerte, en tout cas pour le calmer vous. Là. Une fin provisoire. Mais voilà, une thématique sur les fins, Voilà, bah pour moi, ça sera la fin, la fin du backlog à Dire que j'ai joué à pas mal de jeux là euh, et euh, bah, j'avais une thématique en tête, et puis je me suis dit bah, finalement, bah, en, en mode un peu firebullet, je vais vous parler de tous ces jeux que j'ai pu terminer. Et euh, au milieu de tout ça, finalement, il y a un gros, gros, gros coup de cœur. Donc voilà, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mais, bah, pour le connaître tout simplement. Merci encore et à la semaine prochaine. Bye!